Ah, c'est pas le même studio du coup. Ah, c'est intéressant. Du coup, il y a eu du pillage peut-être? Non. Ah, on n'a pas fait tous les bonus. On va faire. De toute façon, là, c'est le tuto. Voilà. Faut que je gagne en 5 tours. Ah oui, il était dur, celui-là. Gagner ce combat. Détruit le satellite des gobelins. Donc ça c'est notre capitaine. C'est le bourrin de l'histoire. On met tout le monde. Et on déplace. Unit gagne 2 PV. Bah, c'est très bien, on va regarder ça. Ah oui, j'ai plus d'action. Alors les actions... ah oui, c'est vrai qu'il faut que je déplace un peu la caméra. Attendez, comment qu'on va faire? Ouais, c'est derrière moi, donc là c'est compliqué. Oui, c'est celui-là que je veux bouger. Pourquoi tu te déplaces? Okay. Ah, c'est mieux. Normalement, vous devrez voir mieux. Ok, donc... on va bouger notre Spetsuna aussi, parce que c'est important. Alors, Spetsuna, il fait du distance en poison. Donc ça, c'est toujours intéressant. Là, on a juste déplacé pour qu'on puisse être protégé dans les arbres. Parce que vous avez vu qu'il y a une sorte de petit bouclier qui est apparu. Le but c'est que Spetsuna il soit là. Hein. En survivant ça aurait été bien. Survivant ça aurait été vraiment cool, mais là apparemment il n'a pas envie. Je sais pas. On va faire un rush. Hein. Ah, je peux pas attaquer. On peut faire ça encore? On va le mettre là. On peut refaire. Ah oui, non. Ok. Ah mais non, mais moi j'étais en train de régler mon micro! Pas d'accord. Normalement là, on entend mieux que le son de jeu. Donc on essaye de faire un rush, mais le problème c'est qu'en rush c'est compliqué. Détruire les gobelins. Ah oui, j'aime bien lui. Ça va être notre tank. On l'a gagné tout à l'heure. Hein. Je peux augmenter ma vitesse, déplacement. On va taper lui. Comme ça, c'est fait. Oui, c'est deux. On va prendre le succulent kicker quand même, en passant. Donc notre personnage de départ c'était donc le capitaine et notre pot. Et on a eu le cactus justement dans le tuto. Ah mais j'ai déjà gagné 5 tours. Ah mais j'ai déjà gagné ça?
Du coup, faut juste que je... Quoi? Ah non, je suis toujours validé, c'est ça. Alors ça, j'ai toujours pas compris. Donc ça, c'est attaque une unité et récupère quelque chose. On va laisser notre ami s'occuper de ça. Voilà. Comme ça, on augmente le truc. Il me reste un. Ah ouais, bon, on va le taper lui. C'est pas très intelligent d'envoyer mon commandant, mais... Ah voilà, on va voir. Exactement. Mais j'avais pas pensé qu'il allait. En fait, je sais pas à quel moment il se déplace, notre petit gobelin. Donc la dernière fois, c'était plus. On avait pris plus notre temps et là, il faut rusher, donc c'est compliqué. Hein. Donc en fait, il faut vraiment que je cache mon commandant à chaque fois. Et ça joue sur le hasard du coup des cartes qu'on a. Par exemple, là, ça pue un peu du cul. Bon. Ah oui, je peux pas le déplacer comme ça. Hop. Peux même pas le déplacer. Wesh. Ah oui, c'est ça, on peut faire ça. Voilà. On est à 7, ça devrait être pas mal. On meurt pas d'un coup, quoi. En plus, en 5 tours, faudrait vraiment. Mais est-ce qu'on a vraiment toute la capacité de pouvoir le faire, ça? Parce que c'est une grande question. Hein. Ça, c'est nul. En fait, je suis pas sûr qu'on puisse finir celui-ci avec. Je suis en train de me dire qu'on peut. Je pense qu'on peut pas finir avec les cartes qu'on a. Là, même là, je suis enfermé là. Je vais déplacer le baril. Sur le PC, c'est mieux. Ah bah. On peut se balader dans l'eau, hein, je vous l'ai pas dit. Ah oui, c'est un. En quoi c'est mieux que le PC? Je sais pas. Comment ça marche? Bah en fait c'est si tu vois Advance War, c'est assez simple. T'as des persos, t'as un commandant, il faut que tu fasses attention à ton commandant pour pas perdre la partie. Sauf que là en fait on essaye d'éviter que le satellite spawn en moins de 5 tours. Sauf que je crois qu'on peut pas à la capacité qu'on a maintenant là. On va essayer de tenter un rush, mais c'est compliqué quoi. Est-ce que t'as une plante carte? Non? Ah non. Ok, ah oui, il fait des attaques sur tout le côté lui. Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant. Mais du coup, là, je peux me déplacer, mais pas assez loin. Et du coup, on peut se protéger dans les hautes herbes. In your hand, c'est pas sur le terrain. Oui, dans mes mains, oui, c'est pas sur le terrain. Oui, parce qu'en fait, en bas, c'est dans mes mains. Oui. En fait, j'ai une sorte de. L'histoire, c'est que t'es une jeune fille, si j'ai bien compris, qui a la possibilité. Qui a un bras qu'elle a construit elle-même, une inventrice, du coup, qui permet de justement. Je vais finir qui qui permettent de mettre des disquettes dedans pour pouvoir envoyer des personnages, enfin, tout simplement. Et les personnages, en fait, là, par exemple, on est dans le premier, deuxième monde du tuto,
Et en fait, là, on nous apprend comme qu'il y a des spawns par les satellites. Voilà. Et on a débloqué notre monsieur cactus baril là, qui nous aide. Et après, on a un jeu de cartes en bas qui nous permet de déplacer les unités. Donc là, par exemple, si je l'approche, j'ai pas de vie, donc c'est la misère. On va aller là. Hein. Il n'y a que lui qui peut nous débarrasser de tout. Ah oui, plus 3, carrément. Mais casse ça, oui. Mais oui. Ah non, d'accord. Et du coup, c'est oui, en bas, c'est mon terrain. Il y a le cimetière et t'as compris, le dossier, c'est... Je crois qu'on va gagner, hein. Parce qu'en fait, c'est un bourrin, notre... Voilà, c'est bon, on a réussi. On a eu tout le bonus. Voilà. Et on gagne des cartes à chaque fois qu'on... Ouais, mon dossier, c'est le deck, exactement. C'est-à-dire nos cartes qui sont pas encore sur le terrain et qui ont pas été encore mises. Et on va voir justement, parce que là, j'ai récupéré une carte. Où se passe tout ça? Eh bien, c'est ici. Mon deck est là. Donc là, par exemple, en fait, on a sur 30. Donc en fait, là, toutes les cartes, on peut les rajouter, hein, en vrai. Mais on peut les checker. Par exemple, là, ça rajoute un personnage qui est le bamboomer, qui a l'air d'être à distance, parce qu'il a l'air de lancer des boom-boom, des lance-patates. Très classe carte, quand même. Hein. Il a 3 de vie, 4 d'attaque, 2 de vitesse et 3 de critique. Donc là, on avait notre baril cactus, qui fait un peu notre cac pour l'instant, parce que notre commandant n'est pas très 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 fort, en vrai. Hein. Enfin, il a de la vie, mais... voilà. Et du coup, attaque un ennemi. D'ailleurs, je peux pas enlever le commandant, hein. Je le précise quand même. Et du coup, le commandant, il a une signature, donc qui est que je peux déplacer une unité. Et ensuite, ça switch la carte en attaque une unité par la suite. Et ensuite, voilà, on peut gagner une attaque à chaque fois. Et la flèche, c'est la portée. La flèche. Quelle flèche? La flèche, c'est la portée. Ah, oui, c'est possible. Oui, c'est sans doute ça. C'est la distance. Je pensais que c'était les critiques. La vitesse, c'est le nombre de cases dont ils peuvent se déplacer. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, lui, c'est vraiment... Enfin, bon, Boomer, c'est vraiment à distance. Il va prendre son temps. C'est un sniper un peu bourrin. Beaucoup bourrin, même. Lui, c'est clairement notre cac, parce qu'il se déplace vite. Il tape fort, mais pas loin. Et le commandant, bah, il a de la vie. Il peut tenir, mais pas longtemps, quoi. Alors ça, on a eu une branche, ça attaque un ennemi, et si l'unité est dans une forêt, il y a un dommage en plus. Ça, c'est pas mal, parce qu'on va se cacher souvent, je pense. Donc ça permet d'augmenter ses plantes, ses cartes plantes. Donc par exemple, si j'utilise sur une carte comme celle-ci, normalement, ça l'augmente. Alors, de quelle manière? Et en général, si tu fais le gros et six sword, ça augmente le coût, mais ça attaque avec des dommages en plus. Spituna, c'est aussi notre distance, mais cette fois-ci empoisonné. Donc au bout d'un moment, ils prennent cher. Ça, c'est pas mal en soi. Et après, on a les kickers qui sont plus ou moins des soldats, des pions qui sont pas incroyables, mais qui se déplacent pas mal. On peut gagner de la vie, on peut attaquer. Et après, il y a toutes les cartes de mouvement que vous avez pu voir. Je sais pas si on peut dessiner, non. Ah non, on peut les ranger, c'est ça. On s'en fiche. On avait fait du coup le premier, le deuxième et le troisième. On a débloqué tous les bonus, donc on peut continuer. Cette fois-ci, il faut battre tous les ennemis et perdre aucune unité, ce qui est juste impossible parce que je joue tout le temps en claquant des gens. Donc voilà. Deal with me sur le coup. J'avoue, je suis un flemmard. Alors, attendez, j'enlève la cam parce que faut que je me la pète. Salut les losers, je suis impressé. Je suis impressionné. Tu as arrivé jusqu'ici.
Franchement, c'est incroyable. J'oublie ma pile, Dane. Je vais sans doute faire une pause hein, dans pas longtemps. Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit hein? Ici, c'est la zone du fun et les losers. Et qui pue, c'est pas ici qu'il faut être. Je te suggère de te déplacer vers le côté. Avant qu'on devienne dur avec toi, tu ne pourras pas nous arrêter de récupérer cette bouffe incroyable et magique. Donc Carlton, c'est son bras. Hein. On a été envoyé ici, même si tu penses que tu peux conquérir la zone. Ah, on a été envoyé ici pour t'arrêter, même si tu veux conquérir la zone du fun. Alors là, il y a une sorte de blague en stinky talk-up, ça veut dire on va te défoncer quoi, mais eh bien on va faire ça de la manière la plus dure. Fais comme si je t'avais pas prévenu. Hein. La traduction au pif again. Attendez, je remets la cam. Pas cliquer sur pause là, sans faire exprès. Pour gagner cette bataille. Faut que j'arrive au but. Que je tienne deux tours. Ah oui, d'accord, c'est un capture du drapeau. Oh, ok, on fait. Ou défaire tous les ennemis. J'arrive au milieu là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je vais faire pour perdre aucun ennemi là? Je suis en train de chercher les points de chaîne et puis je me suis souvenu qu'il n'y en avait pas. Et ouais. Par contre, tu peux utiliser d'autres trucs, hein, si tu veux que je me soigne parce que j'y pense pas, tu peux ne pas hésiter, n'hésite pas. Tu peux ne pas hésiter. On va aller tranquille, on va faire une marche solennelle vers le but. Tranquillement, mais sûrement. Speed up. Hein. On va juste se protéger un petit peu, voilà. Carlton, regarde! Un endroit de désactivation. Si tu payes des unités ici, on peut aller sur internet et utiliser la zone de déploiement. Ah oui, donc on peut déployer ici. Ah oui, d'accord. Faut qu'on y arrive. J'ai plus de défense! J'aurais dû regarder leur distance de déplacement. J'ai plus de vie déjà, quel enfer. Ah, j'ai de la vie. Voilà, c'était pour la protection. Hein. C'était nécessaire. Même s'il vient, lui, il pourra rien faire. Ah oui, mais je t'attendais pas à toi. Ok. J'aurais plus de ville, par contre. Faut que je spawn quelqu'un d'autre pour pouvoir qu'il les attire ailleurs. Vas-y, le baril, là. Le cactus. Ah, il y a le bambou beurre. Allez, on va essayer. Ça claque combien, ça? Deux? Vas-y. Déplacer mon unité. Ah ouais, non, si je déplace, je vais prendre tout le monde. Attaque une ennemie et oui, ça augmente le dommage. Bah, tiens, cadeau! Aïe! Ah, je peux déplacer. Ah, oh, oui, je peux même protéger. Allez hop! Nick! Alors attends, lui il a quoi comme déplacement là? Ok, il est totalement dans mon range. Je n'ai pas envie de rester ici. Je move. Et lui il est où là? Son range? On va aller en haut. Voilà. Normalement, je suis protégé. Je suis pas très protégé, j'ai l'impression. Mais pourquoi tu m'attaques dans mon spawn? Tu fais des spawn kills, mais quel enfer! Ok, 2 minutes, je reviens, je vais juste chercher de quoi mettre de la batterie dans la cloupe électronique. J'arrive.
Est-ce que j'ai beaucoup joué au tactical? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai joué beaucoup à Advance War, mais je trouvais ça cool. Mais en vrai, j'étais pas très doué, hein. J'ai pas continué, je mets très longtemps. Donc n'hésite pas, hein. On est ici pour le backseat. Tu penses que je suis pas très doué, n'hésite pas. Ah, ça se voit. Oh là 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 là. Tu veux dire qu'il faut pas que j'envoie mon commandant en premier? Est-ce que ce serait pas logique d'une certaine manière? Que je l'envoie au cac, mais en fait, faut que je fasse attention à toutes les portées. J'avais oublié à chaque fois, j'oublie ça. Donc, par exemple, lui là, faut que j'aille le taper en premier, mais faut que je fasse attention à quel endroit je le place, mon commandant. Parce que lui, il peut me strike en spawn kill après. Mais c'est chiant cette histoire de capitaine en premier. Hein. Donc là, par exemple, ça c'est important, c'est où on arrive. Voilà, par exemple, là, ici, c'est pas mal. Là aussi. Voilà, donc on va se mettre en dessous. Est-ce qu'on peut faire? On peut tenter quelqu'un d'autre? Quand t'as joué au Fire Emblem, tu sais que courir au milieu des ennemis, c'est pas une bonne. Oui, j'ai joué un Fire Emblem. J'ai perdu mon hachiste là, je sais pas comment on dit, mon porteur de hache, et j'étais triste. C'est pas une bonne idée, à moins d'être un super tank ou complètement overlevel. Et là, t'as même pas de riposte, donc c'est pire. Non, mais là, j'ai rien du tout en plus. J'ai vraiment rien du tout, tu as pas tort. Bon, on peut se déplacer potentiellement là. Lui, il peut me reach, mais il pourra me taper dans le même tour. Il faudrait se déplacer peut-être ici. Ah, mais lui, il peut me reach. Donc, du coup, en fait, le mieux serait de reculer. Alors, est-ce que tu vois pas en haut à gauche? Là, il y a les objectifs. Les objectifs, c'est grosso modo, faut que je garde toutes mes unités. Et que je détruise tout le monde. Moi, ça me va hein, si on jouait à ça pendant un moment. Hein. En vrai. Ça me posera un peu. Hein. Pareil, j'ai vu Daz jouer. Daz JDM sur Twitch, je crois. Qui fait les. Moi, j'attendrai un tour pour spawn plus d'alliés. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Par exemple, là, le bamboomer, on va le ramener ici, puisque de toute façon, ils ont pas bougé. Voilà, et on a encore la possibilité de le ramener, genre là. On va faire ça. Bon, du coup, lui, il a une portée un peu incroyable quand même. Hein. Ce qui veut dire que si je me mets là, on pourra potentiellement le toucher si je le monte. Mais du coup, il faudrait que je le protège avec le commandant, parce que lui, il pourrait le taper. Mais du coup, si je le fais maintenant, ça peut être pas mal. Du coup, ouais, il faudrait que je le monte de 2. Faudrait que je taunte. Mais pour l'instant, je pense qu'on est bien. Tranquillement, on attend les gens. Donc là, on pourrait passer maintenant. En fait, ce qui est bien, c'est que là, on peut savoir que spécifiquement, il va forcément rester dans la forêt. Et la forêt, ça protège trop, quoi. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont toujours plein, plein, plein hein, après. On va devoir gérer plus de gens. Plus on attend, plus. Alors, Spituna, ça peut être marrant parce que lui, il a 2 de portée. Il est un peu fumé, mon cactus, mais on va le mettre tout de suite, tiens. Par contre, lui, on peut le faire direct au cac, au plus près. Ça peut être pas mal parce que si on le met en plus ici, il aura de la défense. Et je pourrais gérer les. Déjà lui direct, en fait. Allez, on fait ça. Ah mais je peux pas bouger. Voilà. Donc on va faire ça. Et comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui s'approche, je peux lui tirer dessus. Et en plus il a de la vie. Il ramène de la vie notre.
Notre cactus. Et ça, c'est pas mal. Là, ils se mettent en danger. Là, le mec là, qui a traversé la forêt, il va prendre cher. Donc, on va... Ah non, mais... Oh. Je peux pas t'approcher encore un peu? Parce que là, il est totalement dans mon reach. Quel enfer. Alors, attendez, parce que là, il va falloir se mettre en danger un peu. On va taper déjà ce qui est sûr de taper. Je vais claquer un pour le taper encore. Il faut que je le déplace. Va falloir qu'on aille flinguer lui là. Bon, sinon on va protéger notre roi. Notre commandant. Si je le mets là, potentiellement ils peuvent se ramener à deux. Et ça pourrait le ramener dans mon range plus tard. Ça peut être intéressant. Mon range c'est le. Voilà. À partir d'un moment en fait il va. Voilà, on va faire ça. On va le mettre là. Je suis triste. Et ça veut dire qu'on a deux personnes potentielles qu'on peut toucher à distance, ce qui est pas mal. On va se débarrasser de cette. Oui. Pas la première attaque. C'est énorme. Faut qu'on occupe l'espace là maintenant. Comment on va faire? Et lui là. Hein? Et du coup, toi tu peux le toucher mais que à partir de quand? À partir de quel moment c'est ton range? Ah oui d'accord, faudrait que je te mette là en fait, j'aurais dû te mettre là. Notre baril. Faut qu'on se mette dans la forêt par contre. On a un bonus qui a sauté, hein. Ce qui est tout à fait normal. Quel enfer. Il en est où l'autre là? Vas-y, je veux descendre là, il est où l'autre? Mais je veux avoir Bambou Boomer là, il est où? Il est derrière la carte, comment je fais pour descendre? Merci. Il en reste deux, du coup. Je vais retaper. Ouais. Ok, très bien. Là on est bien en fait. Faut juste que je déplace lui. Si je déplace lui, il pourra le taper. Hein? C'est pas grave. Pas grave, je pensais pouvoir l'avoir sur la longueur, mais en vrai, j'aurais dû fuir hein, du coup. Ouais, lui il va se rapprocher, c'est sûr, lui aussi. Peut-être qu'on peut reculer un petit peu notre. Mettre un peu en. Ouais, lui il sera pas touché. Par contre, si on le met juste un poil en dessous. Bon, vas-y, on tente avec le commandant, on va voir. Tu peux utiliser une attaque sans les cartes.
Mais faut pas oublier, hein. On est revenu à la base, ok. Ça faudrait l'utiliser. Lui, il arrive à me faire chier. Avec ça ou pas? Non. Oh là là! Et pareil pour le déplacement. Le déplacement, par contre, c'est. Je crois qu'on peut pas. Justement, on peut uniquement avec les cartes. Donc là, par exemple, je suis un peu dans le cac parce qu'il va forcément faire un move que j'ai pas envie. Faut que je puisse placer les autres. Là, en fait, si je monte, je protège cette case-là, celle de celle-ci. Ce qui veut dire que je protégerai celle-là. Ou je pourrais peut-être me mettre là. Ça me permettrait de le taunt. Ouais, je pourrais faire une sorte de percée, mais le fait de. Je sais pas si on peut vraiment faire ça. Alors, attends, on va essayer ça. Hein. Une percée, j'attaque. Recul. On sait la protection. On gagne 2 points de vie au cas où. Non, c'est juste une attaque gratuite. Ce serait bien d'avoir le cactus là qui revienne un peu. Donc on a récupéré notre bête. Bon, on refait la même attaque tout à l'heure. Une dans ta tête. Toi tu vas mourir. C'est bien de le déplacer maintenant notre. Je sais pas combien de pertes il va avoir par contre avec son histoire. Ah oui non mais je pouvais le toucher. Ah oui c'est vrai. Je die. T'as protégé commandant. You know? Ouais mais après je vais l'acheter en fait, j'aurais dû augmenter celle-ci, je sais pas si Cactus Juice c'est gratuit. En tout cas la vie c'est pas mal. On va le déplacer notre ami là. On va le mettre en haut. Ouais, en haut, pas mal. Comme ça au moins il est un peu protégé. En fait je suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser tout de suite. Ah si, on peut le garder. Ah, ah. D'accord. Du coup là on peut faire un petit move, genre, ok. Un petit move de lui. Attends, je veux savoir sa portée. Comment qu'on fait déjà pour la portée? On s'en fiche? Y'a plus de portée. La portée c'est Nick. De toute façon ici c'est ça, c'est au rouge. Je fais juste... Je déplace un tout petit peu. Par gauche, là, normalement, je le touche. Lui pourra me toucher aussi. Non, non, mais je compte pas. Je compte pas, hein, vous avez dû remarquer. Peut-être le déplacer ici, là, quelque part. Hein. Ah. Ici, là, je pourrais faire aussi. Ça fait 3 cases. 1, 2, 3. Je peux pas aller aussi loin. Lui, ils disent qu'on peut faire ça, mais c'est uniquement parce que si... J'y crois pas. Hein. Je pense que la dernière fois, il était que dans le vert, l'attaque. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait.
J'ai envie de les rejoindre. Ouais, c'est ça, c'est si je me déplace, je peux faire que. Si je me déplace pas, ça fait que ça. Et je comprends mieux comme ça plutôt que comme ça en fait. Ça, c'est en me déplaçant, quoi. Je me vois bien ici. Oula. J'avoue. On va se mettre là. On a le kicker. Play Viscard to destroy it. C'est du West. On s'en fout en fait. Ah oui, c'est parce qu'elle va rester. On s'en fiche. Sinon, on a le kicker qui peut se déplacer pas mal. Ça fera un. Pas mal à utiliser en soi. Donc. Va protéger ton chef. Donc là j'ai repoussé. Tu peux one shot le gars du bas avec celui au canon. Bah non, pas vraiment là. Il est un peu loin. Hein. Faudrait que je m'approche ici hein, pour pouvoir one shot. Par là. 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 Ah oui, c'est 5 points. Ah oui, j'avais pas compris. Du coup, bah on va jouer ça. Pas content notre peau. Oui, il a 4 de base et tu l'as augmenté. Oui, c'est vrai que je l'ai augmenté. Attaque une ennemie. Attaque un ennemi, ok. Ok. Lui, on peut l'avoir dans pas longtemps. On va se déplacer là. On peut attaquer quelqu'un là, non. On s'en fiche, on s'en a. On peut attaquer quelqu'un ici. Ah oui, c'est. En fait, je le tape et il bouge. Allez, pars. Salut. Je pense qu'on a pris contrôle de la base. Eux, ils vont être vénères, hein. Franchement, c'est abusé. Je sais même pas où est le satellite, hein. Franchement. Un peu de respect. Le cactus est de retour! Allez, cactus. Fais ton travail. Quoi qu'il fasse, il va se prendre lui. Quoi qu'il fasse. Donc lui, ce serait bien de déplacer parce qu'il commence à protéger plus personne. Voilà. On va lui donner un peu plus de vie peut-être. Ou un pot. Et un pot, ça fait que 3 de coups. Ce serait pas mal d'avoir plus de un pro qui a plus de vie. Ah mais ça augmente rien du tout en fait, j'ai claqué gratuit. Bon lui il est dead. Salut.
Ça nos mots. Ça reste à monter, pas souré. Ça n'augmente pas. C'est ça que je voulais dire? Ça restaure, ça n'augmente pas. Bon. T'inquiète, j'ai compris. Donc je suis sur du bois. Donc on va dire que ça se déplace. Lui, il peut prendre. Vas-y, prends. Salut. Et on va déplacer notre. On va se connecter. Pour spawn. J'aurais dû utiliser. Ah, je peux ramener un truc dans ma main. Ça veut dire que si jamais mon commandant il. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. On a réactivé la zone de déploiement. On peut ramener des personnes pour les gobelins. Ok, super. Ok. Du coup, par exemple, là, il faudrait commencer à protéger cette personne-là. Et protéger actuellement par cette personne-là. Ça serait bien de ramener cette personne-là pour pouvoir protéger cette personne-là aussi. Sauf que lui, c'est 2. Donc du coup, il faudrait que je le mette plus ou moins là. Si je le ramène là, ça va faire 3 là. Pas très intéressant. Alors que si je le ramène là, ça fait 3 là. Et ça, c'est intéressant. Donc, je ne peux pas avancer, de toute façon. Si je peux faire ça. Bon, là, il meurt, hein, c'est sûr. Pas de peau. Ah, il a bien attendu. Hein. Allez, on va essayer de déplacer notre cactus, c'est le moment. C'est ton moment. Faire une entrée fracassante. On attaque direct ou comment on fait? Déplacer lui peut-être. Genre ça. Ah non mais je l'ai pas là. Ah, ça va nous aider. Bon. Et après on ramène lui pour le défoncer. Voilà. C'est pas mal. Alors ça, je sais pas quoi ça sert, ça va détruire. C'est un détritus. Mais je pouvais le taper avec le boum boum. Mais oui, le boum boum. Ouais, moi aussi, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, attends, planning player. Oh, je peux augmenter direct. Allez, attends. On bouge lui parce que sinon il va prendre cher. Attends, c'est quoi déjà son attaque? Il faut juste que je recule. Et on va. Bah écoute. Va être là, hein. Je pense que je peux attaquer deux fois au moins. C'est propre. C'est propre. Là, on est bien. On est protégé. On avance tranquillement. On peut spawn au milieu. On va avoir de la vie dans pas longtemps. On s'est débarrassé d'un gobelin là. Ce gobelin là, il est à distance, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on va ramener un pot. Pour les faire chier. Ah, merci. On va foncer dedans. Pour voir comment cette personne réagit. Ah oui, d'accord. Ah, attends. Ça te dérange pas d'être protégé.
On va passer par derrière. Et toi, tu vas nous faire une avancée rapide pour voir comment ça se passe. On déplace quelqu'un après. Ouais, toujours à distance, ok. Et c'est bien ce que je pensais. Donc on peut faire du cac. Et je l'ai bien fait de le déplacer ici. Ce qui veut dire que là, si je le fais ça... Ah ouais, je peux tenir ici. Intéressant. Du coup, il faudra juste que à chaque fois qu'il spawn, que je m'en débarrasse. Alors attendez. Ça, on peut s'en occuper, ça. 1, 2, 3... Je peux pas. C'est trop long. Oh oui! Et toi, il faut que tu sois un tout petit peu plus proche, histoire qu'on puisse s'en occuper assidûment. Oh, c'est nul. C'est nul, mais ça se tente. Allez, c'est juste pour voir comment ça se passe. Parce que là, en fait, si je vais là-bas, elle va me taper. C'est ça l'histoire. Il faudrait que je fonce sur elle. Et en masse de. Masse de trucs. Et masse de mouvements. En fait, il nous faut un tour où il y a plein de mouvements. Ah non, mais si t'avances, je suis pas d'accord par contre. Ah ouais, ils vont essayer de bomboclater mon cactus. Allez, du mouvement, du mouvement. Du mouvement. Allez, on va l'attaquer direct. Comme ça, c'est fait. Ah, il est trop loin. Mets-toi dedans. Voilà, mets-toi ici, c'est mieux. Bon, ça a l'air de bien se passer. Oh, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Quel enfer. Je ne l'ai pas. J'ai pas de vie. Il fait pas 5 de date. Oh. Ah oui, c'était ça l'autre truc. On a une magicienne, je crois. Hein. Avec 7 de cœur. C'est cool, ça. Et un cycle qui est bain de soleil. Oh, trop bien. Ah, tu penses qu'on peut empêcher de spawn en se posant dessus? C'est possible, hein. On va voir. Du coup, on va envoyer les... On va réessayer pour faire le deuxième objectif. Non, Fun Zone, c'est ruiné. Écoute-moi, tu dois t'arrêter de prendre ce qui ne t'appartient pas dans cette ferme, et surtout la bouffe. Mais comment je suis supposé avoir de la magique, de la bouffe magique ici? Ah, ici? Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de... Alors, alors Bunchal Little Bogger, c'est un... Des gros calots de morve.
Ce sont des graines. Ces végétaux ne sont pas magiques. C'est juste des plantes. Mets-les quelque part et tu vas avoir de manger. Quoi? Vraiment? Je le dis. Et je vais en prendre la moitié hein, de ces végétables que tu as volés. Alors non, oui, on n'aurait pas dû faire commencer comme ça. Tu peux garder l'autre à ta moitié. L'autre moitié, ça devrait au moins t'aider à en faire pousser quelques-uns. Mais en retour, tu vas devoir quitter cette ferme. D'accord? Tol qui nous dit, c'est un bon deal. Si c'était moi qui aurais géré ça, je t'aurais incinéré. Oui, avec mes yeux laser. Peut-être que tu n'es pas. Vous n'êtes pas des losers. Ok, ça marche. Allez, Carlton. Allons récupérer du. De la monnaie. Allez, on va récupérer plein de thunes. Eh bien, je dois admettre, je pensais pas que t'allais y arriver. Ne nous surprends pas comme ça. Excuse-moi, tu nous suivais? Je voulais juste être sûr que vous faisiez le travail. Et vous l'avez fait. Voici mon paiement. Paiement? Merci, c'est trop bien. Merci d'avoir pris mon problème de gobelin. C'est Floppy Knight of Thews, donc T Floppy Knight. Sont vraiment pratiques. Tu es cet enfant de la ville qui fait tout le temps des inventions, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. On est entré dans la cup de la. Ah oui, donc il y a cette histoire-là aussi. On a une sorte de coupe de l'invention. Bien entendu. On va devenir victorieux. Quoi? Qu'entends-je? Ah non, tu ne l'as pas entendu plus tôt? La coupe des gadgets a été annulée. Quoi? Mon capture d'audio, chevalier disquette exactement, est-ce que mon audio input, mon micro, mes écouteurs ne fonctionnent pas? As-tu bien dit que la compétition était cancelled? Comment? Pourquoi? Alors, Cindercliff Volcano. A pris du temps à se manifester. Donc j'imagine que ça doit être la ville. Il y a eu des tombées de rochers et tout ça. Et en plus, enfin, toute la zone ressemble à rien. Donc voilà, c'est cancel. Phoebe, mais ma base de données indique que Cindercliff Volcano est dans l'autre ville. C'est vrai, allons-y. On doit vérifier ça. Merci pour la thune, dame. Bien sûr, merci à vous, bonne chance. Est-ce qu'on essaye de faire du coup le bonus ou pas? Non, bon, apparemment on a été cancelled. Alors, je vous laisse apprécier cette image. Bill, regarde! C'est un signe. J'adore ma traduction. C'est une note écrite sur le bonus. Oui, il y avait un bonus où il fallait perdre personne. Et on pouvait gagner une carte en plus. Je pense qu'avec la carte qu'on a gagnée, là, on peut garder tout le monde en vie parce c'est une magicienne qui donne de la vie. Ouais, exactement. Et regarde cette note sur ce signe. Cancelled! Dû à des problèmes volcaniques qui a amené un problème de sécurité, bien sûr. On a été cancelled par la compétition de gadgets. Mais on doit gagner ce prix, tu sais. En fait, je t'explique. On doit gagner ce prix. Je t'explique juste, Ravenmail. Moi, je pense qu'il faut faire le tuto jusqu'au bout et que le bonus, en fait, il va nous servir. C'est ce genre de jeu où, à mon avis, si tu récupères pas celui-là, en fait, il faudra revenir dessus de toute façon. Donc soit on fait le prochain pour voir à quel niveau on est, mais je pense qu'on va devoir le faire. À quel point... Comment on va récupérer de la thune maintenant? Eh bien, on pourrait trouver un job normal pour quelques années.
et investir notre argent, donc des épargnes. Non, 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 la compétition ne peut pas être cancelled. On doit faire quelque chose. Allez, Carlton, allons-y à Cindercliff. Et voir si ce qui se passe dans ce volcan. Donc, ça va être des Pokémon de type feu, j'imagine. Phoebe, je reçois un message d'un contact inconnu. Ok. Allons voir la maison. Eh, salut, Phoebs. Ah, donc, ça, c'est notre rival, bien sûr. J'ai eu le numéro par tes parents. Et tu savais que nous étions amis? C'est pas marrant. Enfin bref, j'ai enfin réussi à créer mon plan parfait avec mon intelligence supérieure. J'ai créé des challenges ingénieux pour toi et tes petits combattants. J'ai même fait des decks que tu devrais utiliser. Maintenant, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi tu n'essayes pas? À moins que tu aies peur de perdre. A plus, ciao. Bon, on peut essayer. A striking puzzle. Destroy the satellite in one turn. En un tour? J'ai pas cliqué sur le 1? Mince. C'est peut-être pas ça du coup. En un tour? Bah, pour gagner ce truc, tu dois détruire ça en un tour. Il va être Sirius en un tour. Oui, d'accord, faut se déplacer par l'eau. Oui, d'accord, je peux traverser. Voilà. Pas le toucher là. Oh, ok. C'est mieux. Là. Oh non. Really? Oh non, il y avait moyen. Hein. Il y avait moyen, mais j'ai dû pas utiliser les bons. Là, je suis dans le caca. Vas-y, on réessaye. J'ai pas utilisé le parce que le rehydrate ça me permet de me déplacer, mais j'avais pas vu qu'il y avait le truc du commandant. Donc normalement le truc du commandant c'est suffisant. On va se mettre en face déjà. De toute façon, il faut qu'on aille tout droit. Je pense qu'il faut faire ça. Alors, attends, on va d'abord essayer de se déplacer. Et je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je peux pas. Pourquoi je peux pas upgrader cette plante? Oh, je l'ai pas. C'est déjà une carte améliorée. J'ai vu le plus après. C'est pour ça que je dis ça, bien sûr. Bon, il y a un truc. Hein. Je pense que peut-être le placement il est peut-être pas bon. Hein. Je sais pas. Peut-être ici c'est plus simple. Là, il me fait. Ah oui, déjà pas mal. Il y a un problème d'attaque de toute façon. C'est quoi le but là? Faut que j'aille juste taper le satellite. En un tour.
Ça augmente l'attaque, ça aussi. Allez. Ah non, je l'ai pas. Si. Si. Moi j'ai gagné de la monnaie. C'est quoi la bêtise que j'aurais pu faire? Parce que j'avais fait 3 bêtises avant. Hein. Au bout d'un moment. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. La bataille. Pour gagner, tu dois défaire tous les ennemis. Avec le kicker? Ok. Que avec des kickers, donc ça je sais faire. C'est notre team déjà de kickers, t'as vu? Qu'est-ce qu'on peut augmenter avec ça? Envoyer le poison avant d'améliorer de l'attaque avec l'armance. Oui, c'est vrai. C'est gratuit, on l'utilise. On bully la personne. Et on quitte ce champ-là. Allez, ramenez-vous les gens. Oh! Il m'a kické! Je n'avais pas compris qu'il pouvait me taper lui. Méchant. Imagine que j'ai plus personne. Ici. Bonjour. J'apparais à côté de toi. Pas de l'acharnement. Le but c'est de les détruire de toute façon, donc là y'a pas de problème. Hein. Mais toi, tu as 3, toi. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, l'économie, tout ça... Est-ce que je le finis maintenant? C'est la grande question, parce que lui il va se pointer de toute façon. Ah mais non, mais si, j'aurais dû. Ah oui, parce que c'était mon chef. Bien sûr, c'est pour ça qu'il avait plus de vie, j'avais pas compris moi. Lol. Du coup, faut qu'on vise un côté, d'abord. Ok. On va viser un côté. On se le renvoie. Bon, on va se le renvoyer, on va voir ce que ça donne. Ah mais j'ai plus rien. Ah j'ai plus rien. Ouais, j'ai vu les attaques gratuites. Hein. Non, mais c'est pas possible, c'est des bourrins aussi, les gens.
Ah oui, c'était gratuit ça. Bane, j'avais pas vu. J'aurais pas dû faire ça. Mauvaise idée. La gratuité. En fait, c'est ça, c'est la gratuité, c'est vénère. Oui, mais tu sais que je ne compte pas, en fait, une belle. C'est un peu le problème aussi. J'essaye de finaliser le truc sans mettre un seul centime de cerveau dans cette histoire. Et ça sert à quoi? Parce qu'en fait, je peux même pas la claquer là, à part faire ça. Move unit to destroy, voilà. Gratuit. Move gratuit. Gratuit. Après, c'est payant. Quel enfer. Pourquoi on était que un 1 là? J'ai l'impression que je vais me faire bolos encore. Enfin. Ah ah! Tu ne t'attendais pas à ça. Tu es tombé dans mon piège. Je suis protégé et surprotégé. Les trucs gratuits là, c'est que des trucs de déplacement. C'est pas très intéressant. Ah, ça, c'est bien. Ok, je pense qu'on est bien. Donc du coup ils ont claqué tout. Protection, protection approchée de notre roi. Donc, ça va spawn dans pas longtemps. Ah ah, tu es tombé dans mon piège. Tu ne t'attendais pas à ça. C'est de voir hein, si ça fonctionne ou pas. Protection rapprochée. Ça marche. Ah! Quel enfer. Est-ce que ce serait pas le moment d'utiliser mon arme fatale? L'attaque. Ah, pars! Je ne veux pas te voir. Lui va se déplacer jusqu'où? Jusqu'ici? Quel enfer. Je le poursuis, c'est votre secret question. Ah, si je le poursuis, c'est étendu. Je ne le poursuis pas. Et de ne pas le poursuivre pour injure envers ma personne. Mais c'est bon, hein, j'y réfléchis un peu quand même. Haha! Ma protection est de nouveau. Mais l'attaque gratuite. J'ai utilisé l'attaque gratuite, non? Pourquoi je suis rouge là? Pourquoi ça galère la connexion? Oh, ça va. Ça a l'air bien. Bon. On attaque qui? On va aller vers en bas. Ça a l'air plus intéressant en bas.
Non, c'est quand il spawn, il est gratuit. Ah, y a quelqu'un qui peut y arriver, mais est-ce que avec une seule personne c'est suffisant? Fait, on va juste le repousser pour voir ce que ça donne. Parce qu'après il va charger, hein, on sort. Peut le faire, hein, ou pas? Non. Ok. Non, c'était un. C'est pas mon chef, c'est mon pot. Chaque pot. Gratuit, il y a de la gratuité. C'est un peu nul. Peut-être faut que je taunte. Je taunte pour qu'il puisse venir. Oui, oui, mais tout le monde attaque gratuit. Avec 3 PV. Ouais. Ah, t'aurais préféré que je lance le mec? Non, il veut pas. Non, non, non. On va le bombo 4 là. Bim. Fonctionne apparemment, même si je fais nimp. Et tu me dis de la merde alors? Tu viens de m'affirmer que tu pouvais attaquer gratos que quand tu spawns ton mec. Non, non, tu récupères des cartes gratuites avec zéro dessus quand il spawn le pot. J'avais compris ça comme ça. Défait tous les ennemis en 12 tours. Oh non, c'est chiant ça. Oh bon, vas-y, on s'arrête. On continue le jeu. Hein. J'ai utilisé aucune carte de gratuité, tu veux dire? Ah non, mais ça arrive, hein. C'est pas grave. Attendez. Ouais, en fait, le truc, c'est que je regarde les prix et il y a des moments où je me dis, c'est pas grave. Je peux claquer le toit. Voilà. Ça apparaît très clairement, qui fait très chaud. C'est Cindercliff ici? Oh, il y a des boomerangs. Oh non, quel enfer. Je devine que le gros volcano fait partie de la ville. Et on est dedans. On est au bon endroit plutôt. Aidez-nous. Est-ce que ça va? Je suis d'accord. Alors, Little Tumble, ça doit être, je sais pas, un peu dans le cul, j'imagine. Je pense que mon pied est coincé en dessous d'un rocher. Quel est ton nom? Je suis Bernard. Prends une bonne respiration. Oh mon dieu, il fait trop chaud. C'est de l'air chaud. Et essaye d'ignorer les monstres qui entourent cet endroit. Ah, des monstres? T'inquiète, on va les avoir. Mais je vais être défoncé par une armée de monstres. Oh, je savais que ça allait arriver. J'avais un rêve avant. Eh bien, assis-toi tranquillement. On va y arriver tranquille à le faire, nous. T'es prêt, Carlton? Affirmatif. Donc tu vas voir, Rainbell. En fait, c'est à chaque spawn de peau, il y a des cartes qui font du gratuit. Pour gagner cette bataille... Eh, mais j'ai mis... Non, j'ai pas mis dans mon... Attends. Non. Non. Non.
Exit level, yes. On n'a pas mis notre magicienne dans le dans notre deck. Je vais essayer notre de magicienne. Ah, c'est commandant. Et elle a les mêmes trucs, c'est ça? Oui, exactement. Elle est commandante. Non, Doju, tu parles pas des cartes. Ah oui, de la gratuité du coup. Bah, la gratuité du coup, c'est que quand tu quand t'as le tour. T'as un coup pour chaque personne. Eh bien, regarde. Toute cette lave. Bah oui, non, mais ça, on a déjà lu. On a déjà tout lu. Merci. Merci, Bernard. Au revoir. On va s'en occuper, t'inquiète. On a un nouveau commandant. Qui fait de la magie. Oui. Chaque tour. On a parlé là-haut. Sunbath, c'est trop bien. Move unit, restore 1 HP. C'est cool ça. Mais ça restore par contre. Regarde cette lave. Il y a des unités qui peuvent traverser la lave, mais ça prend 2 dommages. Par. Ah. Donc c'est le meilleur passage, c'est par ici, d'accord. Mais c'est des chats? Oui, oui, bah c'est pas grave. Il y a des moments où je veux pas l'utiliser. Ah, tu... Bon, oui, peut-être. Ça m'arrive aussi, c'est vrai. Eh bien, je vais mettre un pot. Et je vais mettre mon cactus. On va tous se déplacer gentiment. Voilà. Ici. On va voir ce qui se passe. Ah non, mais c'est à distance. C'est des flèches. Oh non. Oh non. Mauvais jeu déjà. Bon, récupère de la vie et part. Lui, il fait quoi, lui? Oh, quel enfer. Wow. Ah, faut aller vite, hein. Bon. Sauvegarde, toi. Ah oui, j'aurais peut-être dû utiliser ça. Non, c'est... Non, c'est super. J'utilise. Merci. Mais je veux pas te voir en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai pas mis la caméra, mais tiens, tant mieux parce que je vais addicter. Ah, faut que j'augmente le boost. Est-ce qu'on ferait pas un truc de foncer dans ce tas de cons là qui est là? Il a l'air d'avoir beaucoup de vide quand même. Bon, on va faire ça. Move unit. Et après, on pourra attaquer. Ah, j'aurais dû faire ça, en fait. Oh, Bane. Je vais faire la dictée. Exactement. Je vais utiliser ça. Ok, on l'a augmenté 2 fois, c'est très bien. Faut que je déplace mon unité pour éviter d'être encore sous son égide. Ah non, mais c'est bon. Tant qu'il bouge pas, ça va. Alors, on va bouger, du coup, notre peau. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, c'est bien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh mais, ah oui, non mais attends, ah ouais, non mais j'aime pas, là, ça c'est les pires moments. En plus, faut le garder au maximum de son HP, mais quel enfer, allez vite. Allez, bon boomer. Déplace-toi, défonce-moi ce mec. Attends, il a la même portée que moi? Presque. Presque. J'avance de 1 et il est mort. Mais d'accord, hein. Salut! Vite, traversons. Est-ce qu'on ramène Spituna? Parce que il peut être intéressant à distance, justement. Move unit, restore 1 HP.
Aha. Oh ho. Hihi. Ils vont rien faire du coup, normalement. Mais d'accord. Hein. Ah, faut que je pose mon... 5 3 Non mais lui c'est le pire, lui il va piquer son sa vie, je connais l'histoire. Mais quel enfer. Il peut pas bouger lui. On peut pas le bouger. Ah bah il a gagné de la vie, très bien, très très, très bien. Je veux. Comment qu'on va faire? Attaque ennemie. Ok. De toute façon, ils vont mourir vite, en fait, et ça, le truc, il faudrait que je déplace mon... Voilà, on va faire ça. Ouais, c'est pas grave. Regarde. On va essayer d'aller foncer sur l'autre là. Pour le bloquer. Le bloquer avec le pot, je pense que c'est pas mal, ça fait une bonne défense. Par contre, les vies là, du gars là. Ouais, c'est dead hein. C'est dead hein. Peut-être essayer de sortir le commandant à un moment. Médaille. Ouais, non, c'est bloqué. On va voir ce que ça donne. Oh, j'aurais dû utiliser ça. Je l'avais pas vu. Oh. Je sais pas ce qu'ils foutent les vampires, hein, mais ils ont l'air de pas mal. 4, ok. 4 de coups. Faut que je ramène l'autre en fait, j'ai pas pensé, mais si je le mets ici, c'est très bien. Hein. Quel enfer. Non. Mais non, je suis bête. Ah non, j'ai cru qu'il l'avait fait. Ok. Faut que je déplace lui. Ça a l'air de marcher hein, ton truc. Hein. Tu peux restaurer le PV de Bernard. Je sais pas, mais je vais essayer de le faire tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir des PV. En fait, faut bloquer le truc en bas. C'est ça qu'il faut faire avec. Faut maxer un pot. Le faire traverser pour aller le plus vite possible en bas. Alors. Non. Tiens, va dans le feu. Va dans le feu pour voir. Salut. Lui, il a 3 de vie. Alors, pose-toi ici. Si je le fais traverser, il perd 1 point de vie. C'est pas très intéressant. Voilà, c'était juste pour avoir le truc. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on voit la carte, normalement, elle est déjà OP. Ah, mais c'est le dernier tour. Bah, je crois que j'ai gagné. Hein. Parce que le premier truc, c'est de défendre Bernard 8 tours. Ah, je l'ai pas. Je peux pas l'utiliser sur lui. On va pas essayer hein, d'ailleurs ce qu'il avait. Ce qu'elle avait. 7 d'attaque. 7 de vie. 2 d'attaque.
4 de speed. Et ouais, en fait, elle est plus. Elle est plus sur la longueur, quoi. Pas trop ce qu'on pourrait faire. À part bloquer. On pourrait essayer de voir si bloquer ça peut servir. Si je déplace, ça ramène un. Ouais, mais c'est pas très intéressant ça aussi. Ah ouais, mais là il meurt. Où je déplace le truc. Et elle regène 1 PV par tour à tous tes alliés, c'est pété. Ouais, t'as vu? Faut se déplacer quand même. Et on a gagné une carte. Destroy n'importe quelle carte dans la main. Et ça tire 2 cartes. Très très bien, c'est ce qui me manquait. Exactement. Je suis sauvé. Allez, on enlève ce rocher de ta petite chaussure. Je le dirais plus que c'est une pierre. Ce n'était pas si mal, je suppose. Regarde, je fais bien. Ma chaussure est un peu égratignée, mais... Comme si c'était... But that's never here, not nor here. Ça veut dire, je ferai comme si ça n'existe pas, j'imagine. Bernard, qu'est-ce qui se passe? Le volcano stupide a interféré avec la coupe du gadget. Ah oui, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Le volcan a commencé à faire des siennes, mais récemment, c'est devenu pire. Tous ces monstres gardent tout pour eux-mêmes. Mais les éruptions ont ramené tout, les ont rendus un peu... agité. Le feu n'arrête pas de tomber sur le village. Hier, les pompiers ont à brûler. Les pompiers ont brûlé. La caserne de pompiers a brûlé. Phoebe, peut-être qu'on peut déterminer ce qui se passe ici et le réparer. Et ensuite, la coupe des gadgets ne sera pas cancelled. Allez, Carlton, tu es un génie. Uniquement parce que tu m'as fait... You can't make... Because you made me that way. Parce que tu l'as fait comme... Tu m'as fait comme ça. Tenez encore 2 minutes. On va y aller... Ah, tu n'iras pas toute seule là-haut. Je suis sûr que je peux le gérer, hein. T'inquiète. Eh bien, on est relativement fort. Tu peux te perdre. C'est vraiment un terrain difficile. Tu peux vraiment être cassé par un gros rocher. Écrasé par un gros rocher de flammes. Ou avalé par des monstres terribles. Ça a l'air vachement intéressant. Allez, montre-nous le chemin. Oui, bon, je l'ai traduit un peu à l'arrache. Mais je traduis souvent à l'arrache. Hein. Attends. Montre-moi le terrain. Ah oui, d'accord. Ah oui, de quel est le terrain? Le chemin plutôt, c'était ici. Spécialement si tu ne tiens pas. Attends, quoi? Maintenant, tu nous dois ta vie, grosso modo, c'est le dead de la vie, là. Je sais plus comment on dit. Sûr. Allez, viens avec nous, Bernard. Non, j'ai pas envie. Oui, j'aime pas faire attention et essayer de traduire mot à mot, du mieux possible, parce qu'en fait, c'est plus compliqué. Bon, garder Bernard à distance, je pense que c'est pas tout de suite qu'on l'aura, hein. Au max HP. Je pense qu'il nous faut quelqu'un qui puisse nous donner un peu de vie. On va rajouter cette carte. On commence à être un peu... just. Dans 8 tours, ça va être chaud. Ah ben, franchement, il fait chaud ici. Mais, alors comme on dit, mes ventilos ne marchent pas tout le temps. Ah non, sur-chauffe plutôt. Ah, Phoebe, regarde. Plus de lave. Cet endroit est un vrai cauchemar. Ah, pourquoi je me suis déplacé ici, à la base d'un volcan?
J'aurais pu me mettre à la plage après le collège, donc le lycée, pour nous. Les seules choses que j'aurais pu m'inquiéter, c'était les menaces incessantes de tsunami. Le gars qui va toujours dans les pires endroits. Si on résout ce problème de volcan, on va devenir des héros, Phoebe. On peut pas être des héros, Carlton. Les héros ne font rien, ils font les choses gratuitement. Ou peut-être des héros. Peut-être que les héros chargent en premium. Ouais, j'aime la manière dont tu penses. On pourrait s'acheter un manoir. Allez, battons ces bestioles et finissons le travail avant que Thermal Past melt, donc les collants thermales, donc du coup j'imagine un truc volcanique. Université, ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Et avant que mes glaces fondent sur mes yeux, mon visage. Pour gagner ce combat, vous avez besoin de battre Big Mad. Il a l'air très méchant. Bon, on verra. Tu vas être en option, hein, j'ai l'impression. Tu fais que d'attaque, donc voilà. Attention! C'est un volcan actif. Donc il y a des endroits où on peut se faire défoncer, j'imagine. Tu vois ces cratères? Au sol? L'éruption du volcan apparaît. Ah oui, c'est l'endroit où il y a des éruptions. Okay. Et si on a une unité qui se tient à cet endroit-là, eh bien, on va prendre 2 de dommages. Ok. Eh bien, ok. Ah, mais on est totalement pas au bon endroit. Attends. C'est mieux. Mais il va se déplacer, je connais. Après, il va me taper. Mais pourquoi ça a changé, là? Pourquoi c'est rouge, maintenant? Pourquoi c'est rouge, maintenant? On va se faire défoncer. 2 de max HP, donc ça, est-ce que ça augmente ça? J'aurais dû faire celui-là, mais non! Voilà, on va monter ça. On va se cacher. Pourquoi il peut viser de l'autre côté? Non. Mais pourquoi il peut me taper tout le temps lui? Je comprends rien à son truc. Pourquoi tout se déplace à chaque fois? Quand c'est rouge, il me tape. On verra après. Ah non, mais il y a lui aussi. Lui, je l'aime pas. Hein. Du coup, on peut les piéger avec les cratères. N'empêche. Ah oui. On va devenir actif au prochain tour. Ah, il vole. Qui vole? Lui, là? Quel enfer. Mais on peut avoir des personnes. Là, ça a changé parce que tu l'empêchais de bouger. Oui, bah, je me disais bien aussi. Et oui, les personnages qui volent sont plus rapides. Ils peuvent traverser la lave sans problème. Donc eux, faut s'en débarrasser vite. Ok. N'oublie pas, tu peux toujours checker les habilités de l'ennemi en cliquant droit dessus. Ils sont pas marrants. Est-ce qu'ils passent au-dessus des montagnes? Ça, on sait pas encore. Si, ils passent au-dessus des montagnes, bien sûr. Bien sûr. Alors lui, il faudrait le bouger. Ah ouais, non, mais celui-là, il est pas actif. Donc du coup, je pourrais le foncer dessus. Mais je ferais que 2 de dégâts. It's not very interesting. Ah. Oh. Living Bell. Je lis quand même un peu de temps en temps. Après, j'essaye de deviner. Hein.
Ah, un autre cactus. Le cactus, on va le mettre. Par contre, j'aimerais bien. Voilà, merci. On va mettre notre. Voilà. Peut détruire une carte. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse pas du tout? C'est vrai. Mais lui, là, du coup, il va foncer sur lui. Ah, je suis plus rien déjà? Bon, bah. Nick. Nick, adios. Lui, en fait, il a une défense de base. D'après ce que je comprends. Mais du coup, ça les écrase pas quand ils sont dessus? Puisque bah, ça passe, ça arrive d'en haut, hein, quand même. Ah ouais, mais faut aller là-bas, en fait. Faut aller là-bas. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Ils ont que un point de vie, ça c'est cool par contre. Je me rassois pour faire genre. J'étais pas en train de m'écrouler. Faut traverser. Je peux descendre là, aussi. Alors, je ne sais pas. Que faire? Faut que je m'échappe en fait. Vera, elle est importante. Lui là, il va forcément foncer sur moi en fait. Quoi, sa portée? Ah ouais, elle est énorme. Énorme. Faut que je le bloque. Faut que je le bloque là. Mais je pourrais pas le bloquer parce qu'il vole. Nick! Nick! Nick-moi! Pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais je vais mourir. Il se va really necessary. Bah, pour sauver Vera, je pense que oui. Je pense qu'il va foncer sur Vera, on est d'accord. Est-ce qu'on fait un pari sur le... Je sais pas comment ça va se dérouler. Je fais un pari. Je fais un pari sur comment ça va se dérouler. On va dire que y a pas de problème. Je peux tuer les deux, ouais, mais j'essaye d'éviter l'espace là. L'espace-temps. Pas grave, pas grave. Le but c'était d'éviter que de Vera prenne cher. Voilà, je voulais juste être sûr qu'il puisse. Voilà. Ah oui, non, mais là il y en a trois, c'est moins marrant. Bon, le bamboomer est prêt, c'est pas de problème. Ah, il a pris de la vie. Pourquoi il a pris de la vie? Pourquoi il a pris de la vie? Le bon boomer. Parce quoi, hein? Pourquoi il a pris de la vie? Je peux descendre? Je peux descendre? Merci. Donc ça, c'est mon augmentation de tout à l'heure. Donc ça peut être pas mal. Ça me permet de me déplacer, mais je peux le taper direct, je crois. Hein. Enfin, salut! Ah mais je suis trop près. Oh lol. C'est pas grave. C'est vrai, j'avais oublié que cette histoire que c'est compliqué. Donc là, faudrait que je recule une deuxième fois. Pour être sûr de l'avoir. On va faire ça. J'aimerais bien déplacer Vera, hein, histoire de... Et là, elle a gagné un point de vie, mais du coup, est-ce que c'est jusqu'à la... Jusqu'à quand? Je vais encore la déplacer. Ok, si je déplace juste ce... Ah non, mais je peux plus. Ok, pas grave. Mais t'inquiète pas, Raving Bell. Tu peux me conseiller. Hein. Je crois que
Mon gameplay est compliqué, quoi. Un speedtuna, il peut être intéressant, indeed. Là, je sais pas, toujours, ça sert à rien. À part claquer de la merde. Claquer de l'action, quoi. T'es dans ma zone géographique ou pas? Non. Je pense qu'on va faire une traversée avec ceux qui peuvent nous tirer de loin. Histoire de voir ce qu'on peut faire. La traversée, elle peut être importante justement pour ça. Il y avait peut-être un pot. On récupère tout le monde. On essaie de faire ça. J'ai l'impression de regarder un réseau de neurones apprendre à jouer. Et ce sont les premières parties. Oui, c'est plus ou moins ma première partie. J'essaie de réfléchir un peu à ce que je fais. Ah mais... Si tu vises aussi Spituna, là, c'est pas marrant en fait. C'est clairement pas marrant. Bon, faut traverser. Allez, on y va. On y va, faut traverser. Lui là. Faut qu'il se déplace. Alors, move unit. T'as combien de vie déjà? Ah oui, t'as pas mal de vie. Donc en fait, on peut traverser tranquillement. On va essayer de faire ça. Ouais, mais en vrai, tu peux te déplacer qu'ici, quoi. Donc c'est 3, hein. On est d'accord que c'est 3 aussi en diagonale. Non, c'est vrai que c'est 3. Parce que ça, c'est le truc, c'est la diagonale, ça ne compte pas, bien sûr. Hein. C'est ici. Non, c'est 1, 2, 3, ici. Non, c'est attends. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Et là, tu tapes. Okay. Donc ici, ça marche. Attaque gratuite, mais oui, mais oh, tu veux que je fasse ça là? Voilà, c'est bon, Vera l'a eu. C'était pas ça que je voulais faire. Je réfléchis à comment je traverse, parce qu'en fait, c'est surtout ça. Parce que là, par exemple, là, il est trop loin pour pouvoir vraiment se déplacer bien vite notre peau là. On pourrait le mettre là en soi. Mais je pense que le bamboomer, là, ça peut être pas mal. En fait, il peut gérer tous les autres qui seront sur le chemin potentiellement. Mais Spituna était pas mal pour lui là, surtout. Faire une attaque groupée, hein. Mais bon. Que si je me mets là, ça augmente que de 1. En fait, ça me sert à rien. Par contre, si je me mets là, là, normalement, ça sert à quelque chose. Voilà. C'est ce que je me disais. Là, si je me mets là, je peux réattaquer. Comme ça. Je peux pas l'avoir. Un petit pot en plus et on est parti. Donc. Ah oui, je peux plus rien faire. Voilà. Ok. Mais arrête Là, je peux plus rien faire. Voilà, je me fais défoncer gratuitement. Je voulais garder mon bamboomer. Ah. Va-t-il rester... Oh, le cactus qui est arrivé. Bon, faut qu'on déplace d'abord notre cher pot. Lui, il va pas pouvoir arriver jusque-là. Le pot, par contre, oui. On va le taper. Voilà, comme ça nous permet d'augmenter ça. Faire.
Ah, j'ai déjà eu un bonus au fait, hein. Ah, écoute. Ah ouais, non, mais il y a lui, là. Oh, il est chiant. Lui, il va me taper, en plus. Je connais. C'est pour ça que Bomb Boomer, ça aurait été plus simple, parce qu'on aurait pu le défoncer direct. Enfin, pas directement, mais presque. Bon, allez, on ramène quelqu'un d'autre. Prochain tour, du coup. On va déplacer notre petit Tammy. Non. Oh oui. Ça, c'est attaque un ennemi. Et si l'unité est sur une forêt, ça rajoute. Mais ça attaque un ennemi juste. Donc on pourrait faire ça en fait. Je vais vouloir assez de lui, comme ça au moins c'est fait. Mais je vais prendre cher avec les autres. Faut juste croiser les doigts pour pas qu'il me tape 4 points d'un coup. Ou 3. J'ai pas dit 2, mais voilà. Lui, il est pas cool. J'ai plus de move, plus de déplacement. On n'est pas sur une forêt, donc on s'en fout. Le bon boomer est arrivé, ok. De toute façon, faut le déplacer. Faut le déplacer. Et voilà. Vais foncer dessus. Allez. Allez. On y va. On le défonce. Ah. Loin. Merci. Toi, Bamboomer, du coup, ça sera pour plus tard. Non. 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 Même pas mal. J'ai beaucoup plus de déchets que tout à l'heure, hein, n'empêche. Je le pousse, ça sert à rien. Par contre, tu vois, je peux le taper gratuitement comme ça. Pour faire genre. Et après, je fais ça. Là, je pourrais faire quelque chose ici. Si je ramène Vera dans ma main, est-ce que du coup, je peux la ressortir là? Et tout de suite. Je crois pas. Hein. On va essayer avec. Ah non, c'était. D'accord, ok. Voilà. Bah voilà, il a plein de poumons, c'est très bien. Ok, du coup, ça c'est bon. Bon, Vérin, du coup, tu restes là-bas. Hein. Je pense qu'on aura besoin de Vera uniquement à la fin. On va devoir la faire spawner ici, je pense. Oh, Spituna. Oui, Spituna. Trop bien. Par contre, peut-être qu'il faudrait qu'on se déplace lui, là. Ah, Spituna. Et du coup, parce que là, on va avoir besoin de ça pour pouvoir le déloger, je pense. Je vais mettre Spituna ici. On l'empoisonne dès le début. On le réempoisonne dès le début. Et on attaque un ennemi encore une fois. Voilà, comme ça, au moins, il prend cher. Et je peux plus claquer quoi que ce soit. Je pense qu'on a fini. Je pense qu'il meurt. Hein. Normalement, il est avec les trois coups que je lui ai mis de poison. Hein. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. C'était que un point. D'accord, c'est pas cumulable. Ok. Merci.
Y a plus de, y a plus de mouvement, donc on est obligé de claquer ça. On repart. J'aurais dû le taper d'abord. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, viens. Viens, je t'attends. Ah, mais c'est 4 points! Mais ça fait mal! Donc ça déplace des unités et ça les restaure. En transplantant. Ok. Bon, ça va, c'est bien pensé quand même, même si la fin c'était un peu brouillon. J'ai pas pris la carte. Oh là là. Faut que j'arrête de cliquer tout direct. Oh là là. Le sommet du volcan est à notre portée. On est presque prêt. Garde calme. Enfin, reste calme, Bernard. Reste calme. Je me demande s'il y a des effets sur le long terme de cette autant de, d'exposition au, à la lave. Et quoi? Oui, j'ai lu à propos de ce mec qui est devenu tout transpirant et ses yeux sont sortis. Ah bon? Après, il s'est bourré la tête au jus de fruits, au jus de raisin spécifiquement. Et c'est et sa peau est devenue violette. Rien n'est perdu, je sens le potentiel d'un excellent joueur de Tactical. Dans, plus tard, un autre jour. Carlton, arrête de le teaser, donc arrête de le taquiner. Et arrête de lire ces sites nuls. Et ils ont dit que ça arrivait dans ce coin-là. C'est notre dernière étape, j'imagine, parce que stretch, ça voudrait dire étirer, mais... on va peut-être devoir utiliser une corde. Grimpette, peut-être, ça peut être ça. On va devoir utiliser une corde pour grimper pour le reste. Mais c'est gardé par des méchants. Je reviendrai ici si j'en ai besoin. S'il te plaît, n'aie pas besoin de moi. Franchement, Bernard, t'as quand même 15 points de vie. Hein. Je suis un peu deg. Un petit peu deg. Ah! Et faut que tu atteignes ce but pour pouvoir. Et il restait 2 tours. Ok. Et il y a un petit passage ici. Bon, on verra. Again. Observe un bouton. Les calculs, si mes calculs sont exacts, ça pourra ouvrir ce pont. Ok. On a Bambomber direct, on va l'utiliser. Hein. Upgrade. Oh, c'est trop bien. Allez. Et ça rajoute plus. Et ça me permet de me déplacer. Plus. Quelle beauté. Oula, si je me mets là, ça va faire 1, 2, et pile dessus. Allez hop. On y va. Voilà, donc ça c'est bon. Lui, il me dit nick, c'est ça? Il faudrait que je me déplace comme ça en plus. Là, c'est bien moi. Attends. 1, 2, 3. Ça marcherait pas parce que ce serait ici. En fait, il faudrait que je me déplace ici pour le taper, je crois. On va voir. Mais non, c'est pas logique. Voilà, c'était clairement pas logique. Je suis tombé de une. C'est pas grave. Mais non! Mais attends, mais c'est où? J'avais raison au début. Oh. Voilà. J'ai tenté. Mon augmentation. Bienvenue, Raving Bell. Bienvenue dans l'enfer du calcul. C'est douloureux à regarder, tu m'étonnes. Allez, hop. On booste notre cher Vera, qui va faire tout le travail. Du coup, là, on peut taper plus ou pas? Oui, 3 d'attaque, c'est mieux. Je crois que lui, il a pas grand-chose. Il a 4. Ah oui.
Un peu. Ah mais il y a 4 peut-être parce qu'il est posé quelque part, non? Allez, on va le taper. Quel enfer. C'est vrai qu'il pardonne pas. Ah non mais non! Mais je vous aime pas en fait, partez! Ah faut que je gagne en 12 tours. Ramener le cactus, mais le déplacement ne va pas être opti. Ah quoi que si, je peux peut-être le taper. Ouais, bon, vas-y. On fait la tête gratuite, on va voir déjà. Restore de la vie. Move pour gagner de la vie. Ouais, voilà, c'est bien. Ici, c'est pas mal pour tous ceux qui veulent tirer de loin. Mon boomer, il aurait pu passer par là. Lui, il me permet, ouais, voilà, il me permet de protéger le chemin. Là, par exemple, si je vais là, je suis protégé. J'ai deux possibilités de bouger, ouais. J'ai celui-ci et celui-là. Donc, du coup, si je bouge avec celui-là, j'arrive là. Et après, je peux le reach. Allez, on y va. Ah oui! Ah, bien sûr! Ah, bien sûr! Bien sûr! Mauvais calcul again. C'était le jeu de trop. C'était le jeu de trop, on a perdu deux personnages gratuitement, c'est nul. En fait, c'est là où je remarque. Oui, c'est pas les échecs. Non, mais en fait... en fait, j'ai l'habitude de la réaction. C'est-à-dire, tu sais, quand tu couvres, par exemple, comme dans XCOM, tu vois, tu peux couvrir un champ, en fait. Et j'ai cette vieille habitude de nul, peut-être. Voilà, comme ça, c'est fait. Peut-être qu'on va utiliser Vera à un moment. On va essayer de ramener Vera quand même, parce que la dernière fois on l'a un peu laissé tranquille. En fait c'est le principe de si tu couvres, qui que ce soit qui passe sur la case, die. Et lui il va mourir lui, non? Ah non, normalement faudrait pas que je bouge. Si je bouge pas, lui il s'approche normalement. Ah non, il va taper quelqu'un. Il va taper qui? Mais non, mais vous êtes en reach, les gens, là. Allez, on se déplace. On se déplace, s'il vous plaît, merci. Et si jamais il se pointe, bah, tu le tabasses, en fait. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Ah bah oui, je me disais bien que ça arrivait, ça. Voilà, on va les piéger comme ça. Reste là. Quel intérêt pour un archer de s'approcher autant? On dirait moi qui joue. Oui, c'est la mécanique qui n'est pas présente, clairement. Ça, it's true. It's true. Eh bien, écoute. Il y a une attaque gratuite quelque part. Hein.
là, genre. Toi, non. Mais par contre, si tu avances, là, c'est bon. Et après, j'aurais plus de mal à traverser, je crois. Donc en fait, le mieux, c'est que je... Pique. Pique. Voilà. Oh bah, je vais m'empresser de faire ça. Ah oui, mais après, il y a les gens en haut. Non, non, mais je suis protégé, ça va. Donc pour l'instant, c'est bien. Voilà. Faut juste qu'on puisse bloquer les deux autres, là. Ah, il me fait avancer. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu leur attaque. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Du coup, j'ai moins envie d'y aller, en fait. En plus, il couvre, quoi. Ça couvre un peu beaucoup. Bon, bah, écoutez... est-ce qu'on peut faire d'une traite, le truc? On peut aller jusque-là, ou pas? Avec Vera. Ah, c'est un peu tendu d'y aller avec Vera, hein, mais... ça se tente, hein. Peut-être que... Attends. Bon, son champ, il est quand même bien, bien épais. Hein. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'ils disent, là? C'est combien? 3? 3 cases. Donc à partir... Ouais, en fait, là, il a tout. Il a tout, sauf ici, quelque part, là. Donc en fait, ouais, il faudrait qu'on y arrive. Là. On va tenter avec Vera. Allez, Vera. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Du coup, il faudrait que je me pose ici. Vas-y, on va se poser là, comme ça, ça... Si jamais il y a des gens. On va le taper. Peut-être avant. En fait. Parce que celui-là, faut que je choisisse. Et je peux pas taper à distance, bien entendu, même avec le poison. Bon, c'est pas grave. On prendra le coup. Salut, Nibbler. Ramener une unité dans la main. Est-ce qu'on veut ramener Spituna à côté? Ça pourrait être intéressant. C'est gratuit. J'aurais peut-être dû faire le 2 ou le 1, je sais plus. T'as fini ton bricole? Ah, peut-être que c'est bien, c'est cool. T'as réussi à faire tout. Ils sont pas marrants eux, hein. Ils font même en diagonale. Nous on peut pas faire en diagonale. Ah, s'il reste là, moi je veux bien. Et en plus je pense que là il a fait en diagonale, du coup peut-être que je peux le toucher. Mais je peux le toucher. Allez, prends. Adieu. Va mourir. On va prendre le baby boomer là. Je sais plus c'est quoi, c'est 3 1 2 3 6 6 6 le baby boomer il touche là. Non, il touche pas. Nick. Bon, c'est le moment, hein. Faut se mettre là. Faut pas le déplacer. Le mieux ce serait pas de le déplacer. Par contre, il faut accepter le prix à payer de ce truc. C'est-à-dire, on va prendre cher. Si je le déplace... bon, si on va faire ça. Attaque gratuite dans sa tête. Attaque payée. Et eh bien, tu meurs au prochain tour. Oui, tout à fait. Même quand il compte, il se gourge, j'en peux plus. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça compte à partir de lui ou pas? C'est ça l'histoire. Ah bah non, c'est bien sûr, c'est en dehors de lui. Tout à l'heure, j'avais compté et c'était dans lui. Très étrange. Donc, du coup, si je me mets là, il faudrait pas le toucher, lui. C'est pas marrant. Par contre, faut que tu partes, je crois. Non, c'est bon. Alors, pour avoir lui, il faudrait que je ramène le... ici. On va voir ce que ça donne. Attends. Oui, c'est ça. Faut qu'on fasse d'une traite, hein, parce que sinon c'est pas possible. Mais il va pas me ramener vers lui, là? Attends. Oui, il faut que je puisse tirer
et m'enfuir. Voilà. Je m'enfuis. On va plus le repousser aussi, remarque. Est-ce qu'on move notre unit? Non, c'est pas toi que je veux bouger. Je veux bouger toi pour que tu bloques. Merci. Quand ton unité peut se déplacer de 3 cases, tu commences par compter sa case. Ok. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. Là, je peux le toucher normalement. C'est pareil pour la portée. Ok. Donc là, faut que je refasse le même truc, c'est-à-dire aller envers avant, le taper. Mais du coup, je peux faire ça. Ça, ça va me permettre de faire un truc. Bip, bip. Je claque ça. Voilà. Ça, je peux redéplacer du coup. Hop. Le déplacer de. Faudrait que je le déplace de 2 pour pouvoir bien taper lui. Et je pourrais faire potentiellement une attaque en plus de poison. Allez, on va tester. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Je redéplace. Et on va là. Là, je peux l'avoir l'autre là-haut? Non. Peut-être juste après. Ah mais je peux plus. J'ai tout claqué. On est au bon endroit, de toute façon, tout est bon. Il est pas marrant. Pas marrant. Il est pas marrant parce que je vais devoir reculer en plus. Ah non, il est dans mon champ. Mais non, il est pas dans mon champ. Oh. Il est vraiment marrant. Alors attends. Parce qu'il est pas dans mon champ, mais du coup, faut juste que je recule de 1. On se débarrasse de lui, hein, parce que j'ai pas envie de lui. Il faudrait faire la même chose avec ça. Donc, du coup, faudrait patienter un peu. Essayer de taunt l'autre, là. Alors, le mieux, ce serait peut-être de déplacer le pot. Pour aller taunt le... quelqu'un. En fait, je vois le truc. Je vois ce qu'ils veulent que je fasse et je comprends ça comme ça. Parce que lui, là, il peut protéger du coup la sortie. Et je pourrais le déplacer ici si jamais il y a besoin. Comment je suis trop nul sur ce genre de stratégie? Eh bien, bienvenue dans la nullité. Je sais pas quoi ça sert de vraiment de jeter les trucs à part occuper l'espace là. Voilà, on va patienter là, et si jamais il y a besoin, je pourrais me mettre quelque part dans le coin, pour ici, là, à peu près, pour taper, et revenir. Mais c'est l'archer, là, j'ai pas envie qu'il se débarque à un moment où j'ai pas envie. Du coup, on va aller chercher avec le pot. Comme ça, ça nous fera notre deuxième... Ah, mais c'est le dernier tour! Lol. Il y a le cactus qui revient. Le cactus, il peut être intéressant pour le combat final des internets. Je peux pas vraiment me déplacer. Hein. J'ai que 2 de déplacement, là, c'est compliqué. Ah, quoique. Vas-y, on va aller chercher. On va essayer de faire le premier bonus au moins. Mais non! Pourquoi t'es passé par là? Non! On va aller au cac, hein. J'en ai marre. J'en ai marre de cette bêtise. En fait, le but de ce stream, c'est de faire souffler Raving Bell à distance. Là, j'ai entendu un... Oh là là. Vas-y, est-ce qu'on peut aller le chercher? Non. Mais non, mais si je me tape lui, là, il est pas marrant. Faut qu'on utilise lui. F-
Faut que je passe lui d'abord, parce que ça va se passer comme ça, je le sens. On va peut-être dû le déplacer plus, mais c'est pas grave. Voilà. Là, c'est mieux. Et si tu veux vraiment te déplacer, petit Big Mad, je suis là. J'augmente mon attaque. C'est pas ça l'histoire? Non, faut que je l'utilise. C'est pas grave. Plus tard. Oui, c'est apprentissage et intégration des règles, c'est vrai. Chose que, bien sûr, je désapprends. T'étais pas censé avoir une bombe là qui est dans ta tête? Ah non, c'était le tour d'avant. Je comprends pas. C'est quand qu'il devait se retaper lui? 2-1. 2-1, ça me fatigue. Salut! Stratégie émergente, hein, je vous le dis. Même pas mal. On a plus de cartes. Ah oui, j'ai cru que là c'était mort. Hein. C'est genre Nick. C'est fini, je pense. Hein. Voilà, maintenant il faudrait gagner en 12. Ah bah c'est sympa ça. Restore de la vie pour tous les amis. Ça, par contre, tu dois pas l'avoir souvent. Ah oui, j'avais pas pris transplante. Et hop. Franchement, les 12 tours avec un peu plus d'expérience, tu le fais ici. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. J'étais pas loin déjà de la fin. C'est juste que j'ai préféré me choisir le. Pour faire un. Ok, à tout à l'heure. Oh mon dieu, ce truc est énorme. Est-ce que ce serait pas un géant de lave? Je pensais que c'était juste des mythes. On dirait qu'il sort du volcano. On dirait qu'il tient quelque chose. Ça a l'air d'être ça qui fait des éruptions. Oh, c'est adorable. Il doit être amoureux. Je pense que c'est mignon. Écoute, les géants de lave ne sont pas des blagues. Une fois qu'ils s'attachent à un volcan, il n'y a aucun moyen de les convaincre de partir. Peut-être qu'on pourrait... Alors, Pry, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait lui faire lâcher la grippe. Tu penses que ça pourrait marcher? Ça peut, mais j'ai vraiment jamais entendu quelqu'un réussir à battre un géant de lave. Ils sont supposés être indestructibles. Bien, on va voir ça. Qu'est-ce que t'en dis, Carlton? J'ai envie de dire, fais gaffe à tes doigts. La bataille commence. Bon, c'est un boss. Et pour gagner ce truc, il faut battre le géant de lave. Faut que j'enlève... Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Faut que j'enlève du coup les doigts. Il y a un bouton. Oh, on doit traverser tout ça. Il y aura tellement de monde. Faut que je batte 5 behemoths. C'est qui les behemoths? Allez, Vera. Move unit, then restore 1 HP. On appuie sur le bouton direct. Quel enfer. Quel enfer de mouvement. Ça a déplacé quoi?
Ok, le pont est ouvert. Est-ce que je peux me barrer du bouton ou je suis obligé de rester Oh non, il fait pas des trucs mais... Ah oui, si, c'est lui qui crache. Bah, au prochain tour, tu meurs, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, ça, c'est moins marrant. Ok, pas rigolo. Normalement, on est d'accord qu'il meurt. Hein. C'est 2 HP, je crois, le coup. Allez, tombe, tombe. Non, ça tombe. Ça tombe pas. Il est censé tomber sur sa tête, non? Censé tomber sur sa tête là. Ah, merci, au revoir. Ah oui d'accord, faudra tous fuir du début. Oh, faudra sur se placer quoi. Ah mais non, la portée de ce truc, l'enfer. En même temps, la seule fois où je veux jouer Vera, ça va vite. Hein. Non mais c'est bon, je sais, il faut taper les doigts, oui, ok. Bon, elle peut faire le bouton déjà, c'est bon. Oh! Mais oui, je vous montre ça en fait, à chaque fois. Ouais, faut mieux regarder les déplacements, exact. Et là, du coup, faut que j'attende. Le mieux, ce serait de me poser. Y a l'autre, là, en face, je crois. Ah, mais non, mais il me touche! Ça sert à quoi? Voilà. Voilà, je peux bouger. Merci. Bah, je vais mettre là. Hein. Je vais mettre là. Les spawns, heureusement qu'ils sont là. Hein. Je pense qu'on va devoir faire du... Voilà. Et du coup, moi, j'ai vu qu'on pouvait augmenter ça. Et ça, c'est vachement une bonne idée. Est-ce que j'ai vraiment envie d'attaquer l'ennemi en étant boosté? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai ramené le... Non, j'ai ramené personne. Ça, c'est gratuit. Il a du niveau quand même. Là, Vera, elle peut s'occuper des deux là. Toujours là pour illustrer mes propos. Oui, bah, je suis là pour ça. Hein. J'explique le tuto en expliquant le tuto, bien entendu. Ah, j'ai cru qu'il allait me spawn kill lui. Par contre, faut que je fasse un truc. Hein. Ah bah, il y a de la vie. Très bien.
faut juste voir si elle... Ah mais non, elle survivra pas, bien entendu. Lol. Enfin, si, elle survivra, mais... Par défaut. Par défaut de visibilité, quoi. De portée. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans l'eau. Ah, mais 4! Mais j'avais oublié 4! J'avais oublié 4! C'est vrai qu'ils tabassent en vrai. Ils ont pas de vie, mais ils tabassent. J'aurais dû m'en douter, les mythes là. C'est. Oh, j'avais zappé ça! Moi j'étais en train de me dire, ouais, ça va, c'est 2. J'ai augmenté sa vie, tout va bien. Faut vraiment pas jouer Vera en fait. Je suis méchant avec Vera, mais. Bon, allez, quand on est là, là on s'équipe des gens. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais détruire pour pouvoir augmenter? Ça, c'est nul! Il n'y a que des attaques et de la vie. Ici, c'est vraiment le bon plan parce qu'il y a de la forêt directement après. Ouais, j'en ai 3 quand même. Pas mal, c'est pas mal. Bon. Ça c'est fait. Oh mais je pouvais sortir le pot. J'avais pas regardé. Ouais, c'est un peu bancal d'avoir mis des unités qu'il faut pas perdre sur un jeu où toutes les autres unités sont dispensables. Ça te donne absolument pas envie de les utiliser et tu vas à force en effet avoir tendance à les laisser derrière. Ouais, c'est ça. Et là, le truc, c'est que je pense qu'on peut la booster au fur et à mesure, mais par exemple, on peut booster ses cartes, c'est peut-être plus intéressant en fait. Parce que les cartes de Phoebe, par exemple, à chaque fois, on a quand même la vie dès le début. Et apparemment, ça n'a pas été boosté. Quel enfer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le monde? On va dire oui. C'est nécessaire. Faut se déplacer là, maintenant. Les archers, c'est 2, c'est ça? Donc si, ouais, si, c'est ça, c'est je mourrai. Mais lui, il meurt au prochain tournoi, hein, parce qu'il est fixe au bon endroit. Ils sont chiants, les archers. Hein. Et il est pas mort. Oui, il est pas mort, lui. Il avait sa défense aussi. Ah oui, il avait 2 de défense. Ah ouais. Ah, il a 2 d'armure, j'en peux plus. Oui, exactement. Et là, il a 1. Nick, je vais le taper. J'en peux plus de sa vie.
nous faut un pot et on a une force de une force d'attaque. 1, 2, 3, non, c'est pas très optimal tout ça. Exact. Par contre, je peux le taper d'un coup, comme ça c'est fait. Voilà. Unité gagne 2 de max d'HP, oui, c'est pas mal. Je pense que ça peut être pas mal justement sur ça. Je veux utiliser le pot un peu plus. Ça vous dérange point. Oui, bien joué, t'as vu, on a fait la même chose. C'est la force d'attaque d'un des pots. Ouais. Et en fait, il y a le fait qu'il y ait plus de force d'attaque où je peux tuer direct les archers avec le pot. Ou tu cringes parce que c'est cringe le je sais pas, l'emote. J'ai essayé de décoder. Hein. Ah, pas d'un dépôt, tu voulais pas? Non, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de faire autre chose. Des impôts? Ah, des impôts, ah! Ok, je comprends la blague. Je comprends mieux la blague. Mais il y a plus d'archer là? Ah non, il y a que celui-ci, ok. Ouais, parce qu'en fait, ils se déplacent bien, donc en fait, moi, je peux bien m'amuser avec eux. Par exemple là, je peux le taper. Et repartir dans l'autre sens, sans aucun problème. Et ça, c'est quand même bien. Bon, eux, ils galèrent, hein, mais... J'aurais pu le toucher en fait, je suis en train de penser, mais j'aurais pu le toucher avec le lance-patate en vrai, l'autre. Ça m'aurait évité de claquer les moves. Il faut qu'il soit prêt à tracer. Il n'y a que lui, je crois, qui peut le taper vraiment. Eh bien, on va aller chercher Spituna, mais je vois pas trop ce que Spituna peut faire. Hein. En fait, ça peut être intéressant, Spituna, à la fin. Il verra aussi, mais... Au début, pour ouverture, hein, c'est compliqué. Hein. Ah, je peux le toucher, je crois, le volant, là. Il y a du move, faut que je me déplace vers le boomerang. Peut-être pas en ligne droite, hein. Je sais pas si. Oh, je l'ai pas. J'aurais dû me relever juste un tout petit... Ah ouais, mais si je me relève un tout petit peu, c'est compliqué. Bouge beaucoup ou pas, Spituna? Oui, tu peux te mettre juste à côté. Bah écoute, tu gères nos arrières, j'ai envie de dire. Ah ouais, non, mais non, mais si c'est pour traverser l'eau, la lave, là, je suis pas d'accord. On va devoir claquer deux trucs sur toi, mais en fait, Nick, j'ai pas envie. Oula, on va aller chercher quelqu'un. On va aller chercher Vera, je crois. Là, si on va chercher Vera, du coup, la mythe, elle viendra pas pour Vera. Déjà, c'est bien. Quoi? On peut pas déplacer Vera? What the fuck, man? Comment ça, c'est pas possible? On peut déplacer tout le monde sauf Vera? Bah non, en fait. Cool.
Bah écoutez, on va faire un petit déplacement en retour. Hein. Ça pourrait être intéressant de l'avoir ici. Ça pourrait être intéressant de l'avoir ici. Parce qu'en fait, il va devoir forcément être quelque part là. Donc là, il n'y a plus personne. Je pense que le mieux, c'est de ramener lui, de le sortir là. On va juste vérifier qu'il n'y a personne qui peut le one-shot d'ici. Points à faire avec. Ah oui. C'est devenu totalement obsolète hein, l'histoire des rochers qui tombent. Ah oui. Donc toi tu viens direct pour moi. Je suis intéressé. Ce n'est pas intéressant. On va mettre un pot en haut déjà. Restore 2 HP à tout le monde. Qui a perdu des HP en vrai? Personne. J'en fous en fait. On peut faire le déplacement là. On en a deux. Deux déplacements. Est-ce que je peux faire le déplacement? Rentrer dans son range direct avec le pot. Dans sa range et je serai face à l'autre, donc je pourrais le taper et ensuite c'est lui. Et du coup il faudrait que j'attende ensuite le prochain tour pour ramener le cactus. Et je sais plus combien il donne comme coup lui, mais c'est vénère je crois. 2. Ah il y a moyen. Ouh là là, il y a moyen. Il viendra me chercher en plus, donc c'est très bien. Allez, on fait ça. Bon, tant qu'à faire. Je peux pousser dans la lave, c'est encore mieux. Par exemple, imaginons. Je vais aller me débarrasser de lui aussi. Il va forcément aller me chercher en diagonale. Allez, on fait ça. On va voir comment ça se passe, mais je pense que le petit, lui, il va m'énerver. Parce que je crois que c'est 4, lui, par contre. Ah non, mais c'est bon. Ils ont quand même du déplacement. Voilà, merci. Donc là, je pense que là, par contre, il est... Voilà. Le démon va tuer le pot? Bah non. Apparemment. Parce que justement, le fait qu'il ait joué avant, ça a joué, je pense. Ça, c'est bien. Ce qui veut dire que maintenant qu'on est là, là, on a plusieurs déplacements. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va le taper et se barrer. Oui, on a deux moyens de se barrer, donc on peut le taper tous les deux. Avec ben, toi, tu peux te déplacer là déjà. On peut le taper lui. Et ensuite, c'est pas grave s'il vient me chercher parce que ça va être pas un problème là sur le coup, je crois. Peut-être ici, peut-être. Je sais pas. Tac, comme ça c'est fait. On se déplace. On se déplace ici. Oui, oui, s'il avait attaqué avant, ça aurait été compliqué. Mais non.
Oula, mais lui, il va pas vers la mythe, elle vient pas vers le pot là, je vois ça. Remarquons que on ne peut pas vraiment faire autre chose. Je vais attaquer, je pense qu'on va faire un petit déplacement. On va essayer de... En fait, c'est lui là qui va m'embêter. Lui, il attaque, il fait mal. Hein. Non, il faut qu'on ramène lui. Attention, parce que là, passer. Là, par exemple, c'est moi la logique de ça, là, la diagonale c'est 1, je comprends pas trop, mais ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pense qu'on peut pas bouger plus là pour l'instant. Je veux juste vérifier qu'en haut il n'y avait pas de problème. Problème du coup maintenant il faut que je tape toi là. Si on si vous vous mettez tous tout en même temps c'est compliqué. On va sacrifier notre 4 là. Ah quoi qu'attends, si je le tape maintenant. Ah j'ai 2. Donc là si je le tape. J'ai déjà utilisé ma tape gratuite? Oui, j'ai déjà utilisé. Là, quoi que je fasse, il faut que je choisisse qui je tue. Bon, on va en choisir. Faut que l'autre il se déplace pour pouvoir le taper de toute façon. Parce que je sais qu'il y a le dégât de zone avec le cactus, ça aurait été peut-être plus simple de ramener le cactus. Ouais. Nage survie, je sais pas si le petit vampire va se déplacer. Si j'active la téléportation ici, oh on peut, on peut. Je sais pas ce qu'il a mais il bouge plus. On peut activer on peut activer ça. Alors attention parce que là. Ça va son bon beau clat là, on est d'accord, c'est fini pour lui. Je peux essayer de ramener lui. Je vais essayer ça. Hein. Genre de le ramener et de le mettre là. Pour faire le dégât de zone. Ah ouais, bah vas-y, on peut faire ça. Hein. Et on tape lui. Un qui est mort. On avance celui-là. Alors. Ah oui, oui, bien sûr. J'ai pas regardé au-dessus, hein, mais normalement ça devrait être bon. Et on va gratter ça pour ramener lui. On a plus besoin de lui là-bas. On n'a jamais eu. Pourquoi non? Pourquoi non? Ça s'est bien passé pour l'instant. Ah parce qu'il tape fort. Ah oui! Ah bah non. Il a pas tué le cactus. Il a pas tué le cactus. Je sais pas ce qu'il a le petit diablotin, mais il a envie de jouer avec moi. Hein. Ah c'était peut-être le pas le récupérer parce qu'en fait je pourrais pas le jouer. C'est peut-être ça l'histoire, c'est ça. J'ai perdu quelqu'un sur le terrain. Mais non, je l'avais utilisé, non? Bon, c'est pas grave. Il est décédé de manière jolie. Ah oui, d'accord. Il y avait une carte gratuite que j'ai pas vue. Que j'ai pas fait attention. Que je me suis trompé entre les deux. Donc...
Ouh, je suis pas d'accord. J'y arriverai pas. Ah si, peut-être. Bon, faut juste poser les doigts. Hein. Et le cactus, il est placé. Ah oui, bon, y en a un qui va mourir. Allez, prochain tour. Oui, en fait, quand on est à côté de Evera, elle donne des vies, ou c'est moi? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Parce que si c'est... C'est intéressant quand même. De la vie en passant. Ouais, on va aller la faire, on va essayer de la ramener. En fait, quand on est sur le PC, c'est pas là à ce moment-là où on peut ramener les gens. C'est une seule fois au début. D'après ce que je comprends. Ou c'est à chaque début de tour. Non mais oui, Vera, je crois qu'elle donne de la vie H24. C'est un petit truc qu'on n'avait pas pris en compte, ça. C'est intéressant. Que la première fois, d'accord. En attendant que le pot soit prêt, et tout suffisant. Ah bah voilà, exactement. Maintenant, dans le futur de l'imparfait, ce petit cactus ne sera plus là. Et donc du coup, faut qu'on aille chercher Vera parce que ça peut aider. Ah, c'était là que j'aurais dû. En fait, c'est à chaque fois que j'arrive à quelque part, il faut que je ramène Vera. Parce que le truc, c'est que si elle soigne tout le monde, ça aide. Hein. Non, bah, on va claquer tous nos mouvements pour gagner de la vie pour le cactus et Vera qui revient. Ah bah tiens, c'est très bien, on va claquer ça tout de suite. Bah, voilà, le cactus est prêt à partir. Et on va déplacer Vera. Descends, pourquoi tu ne veux pas descendre? Pituna là, hein, ou... pas la peine quoi. Ah, il y a des gens qui se prennent des coups. Merci petit archer. Le prochain tour ça va être compliqué à traverser. Ah bah. Ok, on interchange. On veut des mouvements. Il nous faut aussi qu'on puisse déplacer vers là.
Oh, c'était efficace. C'était très efficace. Attaque un ennemi. Oui, mais ça, on s'en fiche. Et c'est fini ici. Ramener monsieur aussi. Très bien. En fait, on finit le boss, je pense, et après j'arrête. Il est 17h30, normalement, on s'arrête à ce moment-là. Oh non, pas lui! Pas maintenant! Pas comme ça! Oh non! Oh non! Ça, c'est pas cool! Je pensais qu'il allait attaquer mon cactus, mais même pas, il n'y a pas de respect. Bah écoutez, voilà, hein. Laissez-moi tranquille. Oui, Vera. En soi, il n'y a pas grand monde qui perde la vie pour l'instant, mais c'est juste au moment où on va se taper contre le gros Big Mad là. Ça peut être intéressant. Move unit when restore one. On va le mettre. Parce que là, même si j'utilise le move, il faudrait que je me mette là, quoi. Je taperai tout le monde. Mais c'est pas très intéressant. Et yeah, il a pris de la vie lui. Bah, c'est quoi là dans ma tête? Je comprends pas. Ok, donc si je vais là, hein, il va perdre. Et lui, il me donne quoi comme coup là? 3 d'attaque. C'est gratuit ou. Je peux le pousser, remarque. Je crois que lui, il a rien. Ouais. Il a 1 de range. Donc si je fais. Si je le tape et je le pousse, ça veut dire que je le tape deux fois. Ça fait 8. On se retrouve avec 4. Et lui, il pourra pas me taper en fait. Et si jamais il veut me taper, il faudra qu'il attende. Bon. Ah oui, d'accord, je peux pas. Allez. On fait ça. Remarque, je peux même faire ça en fait. Salut! Je me demande quand tu vas essayer de bouger les autres. Hein. Ah bah maintenant. Et bien maintenant. Et là, il va mourir. Bon bah voilà, cadeau. Ah oui, mais maintenant qu'il est évolué, en fait, il gagne de la vie. Ok, d'accord, je comprends mieux. Si je veux taper quelqu'un, bah, je tape en haut. Ah, et c'est fini, quoi. Et après, je me barre. Salut, les losers! Je me barre. Quelque part où vous êtes pas là. Donc du coup ils vont attaquer le pot. Mais je serai de retour à ce moment-là. Ce serait bien de ramener Vera, mais je sais pas trop comment faire. Il n'y a pas beaucoup de mouvements autres que patienter. C'est des gros bruits de pas hein, qui fait. Une attaque de poison, c'est intéressant.
ça. Ah, j'avais oublié qu'il était dessus. Non, non, mais il n'y a pas la mythe qui va se pointer. Mais non, mais pourquoi c'est toujours au pire moment, en fait, qu'il se pointe? C'est vraiment abusé, cette histoire. Le calcul, là, il est toujours trop, trop bien. Écoute, déplace-toi là. Je viens de débarrasser de cette mythe, merci. On va faire un petit mouvement. Histoire de patienter. Je pense que j'aurais pu moins claquer que ça. Là, du coup, ça appelle énormément notre bombardeur. Faut qu'on rush le truc. Hein. Je suis désolé, mais j'en ai marre de ne voir ce truc arriver à chaque fois. Écoute, je vais aller taper là-haut. Et si jamais tu veux venir, je serai là. Hein. C'est quoi ta portée? Voilà, je serai en haut. A tout de suite. Ce serait bien de le débusquer avec le pot, mais je suis pas sûr qu'on puisse réellement. Ouais, les deux peuvent se pointer. La grande question, c'est ça. C'est est-ce que si je le mets là, est-ce qu'ils vont se pointer? Parce que je suis pas sûr, en fait. L'archer va se déplacer. S'il bloque. Mais sinon, à part ça... Donc là, il reste un tour. Faut se pointer là-bas. On a du déplacement, on a du pot si jamais il y a besoin. Logiquement, je devrais... Ouais, je devrais faire un truc avec les pots. Le déplacement, il y en a 3. Déplacement, il est nécessaire d'en faire 2, j'imagine. Enfin, je sais pas si en diagonale ça va se faire, mais... Ou il me bloque à chaque fois. Bref, je ne sais pas. Pour l'instant, tu peux pas le toucher. Indeed. Par contre, si je peux m'avancer, genre... À là où t'es. Lol. On va faire comme ça. Hein. On est d'accord, c'est ici, hein. Ah ouais, non, mais je peux pas. Aïe. Donc là, c'est toujours pas là. Voilà, c'est encore un peu. C'est là.
Tu veux pas bouger, petit vampire? Me tuer? Merci. Donc là, il faut faire, il faut sortir le cactus. On remet lui là, pour éviter qu'on ait des problèmes. Et lui, c'est quoi sa portée? Ouais, si je me mets en haut, c'est bon. Si tu veux bien te déplacer de 1 ou de 2, histoire de mourir par les pierres, je suis prêt. Mais je peux taper là, je crois. Je peux taper ce doigt. Juste voir, déjà, on va faire ça. Attaque un ennemi. Ça booste. C'est vrai que le boost j'ai pas utilisé depuis le début. Je crois que j'avais pas trop l'opportunité à chaque fois. Et je pense que si je le monte là, lui, c'est bon aussi. On va se donner deux fois la possibilité de faire quelque chose. On va faire ça déjà. Et là, si je me mets... Tu montes ? Quoi ? Oui, si tu te mets là, ça, tu peux te dépasser ou pas ? Ben, on a gagné. C'est la fin. Et voilà. On a un Big Mad. Ah oui, mais c'est normal après que tu roules sur le jeu. Lol. On l'a fait. Oh, c'était un dur. J'y crois pas. Tu as vraiment réussi à libérer à nous libérer de ce tourment. Ces éruptions ne devraient pas vous déranger maintenant. Phoebe, Carlton, merci beaucoup. Maintenant, je n'ai plus besoin de bouger à la plage où il y a ces terribles tsunamis. Ah, c'est parfait. Hey, Phoebe, tu rougis. Elle n'est pas accoutumée à être un héros, tu sais. Une héroïne, d'ailleurs. Carlton, c'est probablement... juste une... une attaque. Ah non, c'est un coup de chaud. Plutôt. Je ne sais pas, tu pourrais... Je ne sais pas comment vous remercier. Eh bah, pas besoin, on est vraiment heureux de vous aider. Mais à part ça... On peut, la coupe de gadgets peut recommencer. Dites-nous juste si d'autres géants de lave arrivent, on pourrait vous aider en faisant un petit prix. Ah oui, venez ici les vous deux. Comme hier, c'est ça, c'est comme commande. Ah oui, c'est ça, c'était pour un câlin. Ah, tu aurais dû nous prévenir que tu serais pour un câlin, Bernard. Oui, c'est vrai. On s'est débarrassé d'un grand monstre. On a sauvé le village et maintenant on peut gagner le prix. On peut gagner la thune plutôt. Et tous ces monstres que nous avons battus m'a donné une idée. Et comment battre quand we can get a leg up on Alex too. Et on pourrait se débarrasser de Alex aussi. Tu veux bien préciser? Faisons un petit détour du côté de... avant d'aller à la coupe gadget, de façon à ce qu'on puisse se débarrasser de d'autres, qu'on trouve d'autres Floppy Knight. Je ne peux pas partir maintenant avant que le canin ne soit fini. Eh bien,
D'accord, mais juste pour savoir, pour que tu saches, j'ai des frais à l'heure. Heureusement. Épisode completed. Et voilà, donc on a fait la ferme. Il nous reste un objectif. Et là, d'autres objectifs. Peut-être que je les ferai en dehors du stream, je sais pas. On a eu quoi du coup? On a eu le Big Mad. Ah, on a aussi le Kiver Kid. Oh, on a tout le monde, c'est génial. Ah, c'est le Monster Deck. C'est pas la même chose. Mais pourquoi? Donc le Big Mad, c'est le Monster Deck. Dans chaque deck, les nouveaux commandants ont des cartes bloquées. Peut juste utiliser avec ce deck, ok? On peut en rajouter d'autres. Comme avant. On devrait mélanger des cartes de monstres et de... Ah bah oui, normal. Des monstres et de plantes. Qui sait quelle combinaison intéressante nous pourrons arriver. Mais c'est exactement pour ça que je voulais rajouter justement... Voilà. Je veux au moins le flécher là. Ça peut être pas mal. Et le uni 2. Allez, uni prend 2. Save the mage. Prend 2 de... Ah oui, d'accord. Et après, tu peux tirer des cartes. Non, en fait, moi, je veux pas ça. Je veux bien Big Mad. On peut pas même... Ah oui, on... Ah, only... Alors, donc seulement les commandants plantes peuvent être utilisés dans les plantes deck. Ok. Donc, du coup, on peut faire... Du côté monstre, ça. Donc pas Vera. En tout. Hein. De toute façon, on a pas beaucoup de cartes pour l'instant. Une carte de déplacement en plus, toujours. Carte d'attaque. Voilà. Comme ça, on a rempli. On a 26. Et là, il nous manque une. Pourquoi ils en manquent une? Ah oui, c'est le... Bon, voilà. Ça sert pas à grand-chose, celui-là, je pense. Et bien voilà. Je sais pas si vous avez bien aimé. Ça, c'est le backpack. Ok. Alphabetico. Ok. Ok. Bon, je sais pas si vous avez bien aimé. On va regarder du côté du truc. On peut acheter, bien sûr, des cartes. Et bien, on va crafter. Unité perd 2 de HP mais gagne des attaques poisonneuses. Ça déplace l'unité. Et si l'unité est sur de l'eau, elle se déplace plus. Et ben voilà. Utilise. Alors ça bouge l'unité et ça payback, c'est une contre-attaque. Ça, on achète. 3 HP et ça augmente la vitesse. Alors là, on peut switcher entre deux plantes de loin. Ça, c'est pas mal aussi. Un deuxième cactus. On en a plus. Déplace les unités. Move de 1 pour chaque unité. Ah, c'est intéressant. Ajoute cactus juice for each currently damaged. Ok, il y a des trucs bien. On va forcément acheter les plus chers, hein, bien entendu. Celui-ci. Celui-ci, adaptation, gagne 1 attaque, 1 speed et full HP. On achète. Peut-être un autre. Bon, plus tard. On a combien de thunes? On est un peu blindé. On a 55. 40 là. Ça tire une carte et ça gagne une énergie au prochain tour. C'est gratuit. Intéressant. On ramène une unité dans sa main. Ça, c'est pas mal aussi. On déplace l'unité. Bon, ça, on l'avait déjà vu, ça, on connaît. Et du coup, on rajoute une carte de vie. Je pense que la version gratuite, là, c'est pas mal. On va prendre ça. C'est gratuit, de toute façon. Et du coup, là, il y a de l'engrais. 3 HP et de la vitesse.
Bon. Un flacon ici. Voilà. On a tout claqué. On rajoute ça. On rajoute ça. On rajoute ça. 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 Ah ouais, ça y est, c'est 30 sur 30. On enlève ça. On rajoute ça. Je pense que notre carte plante, là, elle est pas mal. Notre deck plante, plutôt. Du coup, on peut rajouter le reste. Voilà. 30-30, c'est très bien. Eh bien, voilà. Merci d'avoir été dans le coin. J'espère que vous avez bien kiffé. Alors, qui c'est qui est en live? Who's is live? Oui, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, peut-être aujourd'hui, vu qu'on n'est que pas beaucoup, de toute façon.